Thank you.
mythique de mon côté sur Pathfinder. D'accord. Et j'aimerais savoir si tu pouvais me passer les traits d'historique avec évolution de la colère des justes pour que j'ai une idée et que je puisse un peu m'en inspirer pour faire ceux de ma campagne. Ok. Bah, après, le truc, c'est que la, les traits, c'est que le guide de joueur. D'ailleurs, le guide de joueur est dans le canal d'information sur son sein, donc ça, tu peux le prendre. Ah oui. Après, alors... pour ce qui est des évolutions des trucs, le problème, c'est que c'est partie intégrante de la campagne. C'est pas dans le guide de joueur, c'est pas à part. Ouais, non, mais c'est pour ça que je me demandais si tu pouvais me faire des photos, ou me copier les textes, ou faire des... me découper, entre guillemets, la partie des textes et me les envoyer ou bah... pas. Alors, on l'a jamais fait, mais faudra que je fasse. Parce que l'autre problème, c'est que partie intégrante de ces textes avec les évolutions dans la campagne, c'est qu'il y a beaucoup de RP et de spoil sur les backgrounds des personnages. Donc, après, j'arriverai à en faire totale abstraction pour moi. Moi, j'en ferai sans problème totale abstraction. Je verrai ce que je pourrais t'envoyer te dire. Mmh. Après, pour ce qui est des évolutions, tu pourras demander aux autres, hein, tout ce qu'ils ont noté. Bah oui, mais si j'ai bien compris...
Putain, c'est quoi le nom de famille de Mia? Le Raven. Alors que le Raven faisait une alliance avec Starmongo pour affronter Ritan. C'est ça. Ils avaient ce problème-là à gérer. Nous, en plus, de notre côté avec Morxan, on a pas moins de 3 primes, je crois, sur la gueule. C'est ça. Dont celle que, a priori, vous aviez un doute sur le fait que Mia et Tempest vous aient mis une prime sur la tronche. Il y en avait une de la part de la famille Raven, une de la part de ton ordre, je crois. Ça. Et la troisième, c'était qui déjà? Les Bloscon. Non, je crois qu'on n'en avait pas troisième. La troisième concerne la guilde, en fait. Mais étant donné qu'on n'en fait officiellement pas partie, ni toi ni moi. Non, alors la troisième, c'était pas la guilde, c'était le petit seigneur de Bloscon qui t'adore. Qui vous adore. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ah oui, c'est vrai, on a celle-là aussi. C'est ça, c'était Bloscon, le Raven et ton guilde. Voilà. Donc c'est vrai qu'en autant gros... dire, on en a deux par des personnes qui sont censées être nos alliés. Non, je suis désolé, mais le seigneur de Gloscon, c'est pas censé être notre allié. Non, mais c'est pour ça que je dis, le Raven et ton ordre, techniquement, c'est pas censé être des ennemis. Non, mais mon ordre, c'est une pure histoire de politique interne qu'il va falloir que je règle. C'est pour ça qu'on a annulé nos rangs, qu'on a vu le grand prêtre, toi t'as pu faire ton duel... Et moi, il organise un conclave pour que je puisse me défendre face à Arkil, qui est le chef de mon ordre. J'ai encore passé mon serment. Et toi, tu dois passer ton serment. Non, mais je vais te convertir à Solaris. Ah yeah, c'est bon. Yeah, vous me remettez les trucs en place. Putain, ouais, j'étais en bordel dans ma tête. Ouf. Merci bien. Donc après le conclave, ça va peut-être prendre quelques temps et je pense qu'il va pas être il va peut-être pas être organisé à Nîmes-Laurent parce que je crois que c'est à Flamelin qu'elle a le siège entre guillemets de mon ordre, de l'église de Solar. Yes, c'est ça, à Flamelin. Alors je sais pas si tu veux le jouer maintenant, si tu veux qu'on le joue ou qu'on jouera tous les deux. Comme tu veux. Je pense que, franchement, le conclave, ouais. J'appellerai Morxan avec moi. Ah, bon, donc ça peut être intéressant. Ok. Voilà, tout bêtement, parce que autant Malariel et Elendir ne me connaissaient pas à l'époque. Par contre, Morxan et moi, on sait ce qui s'est passé et on peut le raconter. D'accord. Voilà. Alors tu vas que voir... Que ce soit pas seulement ma parole contre celle d'Arkil. Vu que vous êtes encore à Nîmes-Laurent et à la fin du combat... Où je l'ai mis. Tu vas avoir un petit nain qui va s'approcher de toi. Que tu reconnais, il s'agit de Boa. Je vais l'écrire parce que... Parce que franchement... Il me dit rien dans mes notes, lui. Non, c'est pour ça. On a quand même réussi à se mettre du monde sur le dos. Quoi. D'accord. Et qui va venir te voir. Tiens, d'ailleurs, juste en aparté, parce que je l'ai lu tout à l'heure. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas et qu'ils ont envie de le jouer, je ne vous y contrains absolument pas. Mais j'ai vu tout à l'heure qu'au Grand Melun, on parlait une voix chantante. Voilà, c'est tout. Ok, donc pour les originaires de Grand Melun, vous êtes obligés de parler d'une voix chantante. Ça va aller, Morxan? Un sans dragon avec une voix chantante, ça peut comment être te dire. Donc, comment te dire? C'est plus ça, non? Du tout. Je dis ça parce que non seulement il va falloir que j'interprète un nain, mais en plus en voix chantante, alors c'est compliqué. Voilà, attends, je vais refermer chez moi avant que l'orage tombe. Tu m'étonnes. Alors, il va venir vers toi. Alors, comment ça va, mon cher Dirando? Ah. Il semblerait que tu aies attiré
Pas mal d'ennuis dans le coin. Disons que mes prêches n'ont pas plu à tout le monde. Oh, c'est bien dommage. J'ai pour mission, entre guillemets, enfin, mission, si on peut appeler ça une mission, c'est plus un accompagnement de t'amener jusqu'à Flamblin, jusqu'où, du coup, pour que tu sois interrogé. Mais je crois que, de toute manière, tu connais déjà le chemin. C'est Gerve qui t'envoie? Ou c'est Arkil? Gerve. Il souhaite que... tu y viennes et que je sois garant du fait que tu y sois allé. Histoire de prouver que tu ne te défiles pas devant un jugement. Mais ça serait mal te connaître que de croire que tu fuirais. Je n'ai absolument aucune intention de me défiler devant des accusations, quelles qu'elles soient, que j'estime fausses. Et Gerve est au courant que, de toute façon, j'ai l'intention d'aller avec lui au concile. D'accord. Alors, petit rappel, c'est avec Gerve que j'avais eu une entrevue, étant donné qu'actuellement, on est logé au temple de Solar et Laurent. Dans les cellules de Solar. Du temple de Solar. Les cellules du temple. Dans des cellules du temple, en effet. Cellules d'initiés. Et de se souvenir de la fin de la dernière partie, en fait, on avait fini le combat. On avait ramené Morxan au temple. Et je l'avais soigné avec l'aide d'un prêtre et de plusieurs initiés que, entre guillemets, que j'avais commandé pour le soin, quoi. Et Malariel avait fait la garde devant la porte et je crois que Elendir était parti chercher des informations à propos de ce qu'on lui avait raconté sur une petite affaire qui se serait passée à Henley et est revenu nous dire que bah ouais, en fait, c'est des membres de sa guilde qui avaient été exécutés là-bas. Alors, j'ai jamais été à Henley, j'ai pas encore été à Henley, je voulais en fait. T'avais été chercher des informations entre guillemets auprès de ta guilde parce qu'on t'avait parlé d'un massacre quand tu nous avais demandé pourquoi on n'aimait pas Mia. On t'avait expliqué l'affaire de Henley, c'est-à-dire le massacre du groupe de voleurs en pleine rue, limite. Et toi, t'avais été renseigné parce que t'avais entendu parler d'un groupe de ta bande qui avait disparu, enfin de ta guilde qui avait disparu à Henley. Et il semble que potentiellement ce soit eux qui ont été tués par Mia. Ça, tu nous l'avais dit le soir pendant que Morxan était en train de se reposer. Et je crois que c'est à peu près là qu'on avait fini la dernière session. Donc en fait, techniquement, on est dans le temple de Solar. Ok. Sachant que je pense qu'avant de repartir... c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je vous avais fait ça. Parce que le temps que Morxan du coup se rétablisse de ses blessures, qui étaient quand même assez, assez importantes... Il était mort, hein, juste qu'on se le rappelle. Oui, non, il était mort, je l'ai ramené à la vie. Hein. C'est bien ce qui me semblait, on rappelle. Et je voulais pas le rappeler, hein, tu vois, mais... mais tu peux. Mais je pense que, entre-temps, c'est pour ça que je pense que, du coup, Elendir a dû aller quelque part chercher des informations. Je pense que c'est plutôt ça. Et du coup, le temps qu'il aille, il est revenu, il vous a dit ce qu'il avait appris. Et il est revenu juste quand Morxan allait mieux, après que vous ayez fini de renvoyer tous les étudiants de Solar en médecine. Et que Morxan se soit revenu. Oui, c'est vrai que... C'était le boulot de Malariel d'empêcher tous les initiés de rentrer parce que putain, soigner un sans-dragon. Et surtout, aussi, soigner quelqu'un de presque mort. Ça fait trop de boulot. Parce que c'est rare en général aussi. D'où l'intérêt d'avoir des étudiants à regarder. Non, le presque mort n'était plus le cas. C'était un petit peu Doctor House, mais au moment où ils sont tous pleins dans l'amphi. Tout le monde est là dans l'amphi, quoi.
Si ceux qui, si certains ont la ref, sinon c'est pas grave. Du coup, vous êtes au matin, et c'est au matin que justement le petit Boa va venir te voir pour te dire qu'il est temps de se mettre en route avec Garf pour aller jusqu'à Flamelin pour ton jugement, pour ton concile exactement. Pour le concile. Je vais voir si Morsan est en état de voyager. Il a eu de graves blessures hier. Je pense que grâce à cela, il s'est bien remis, mais ce n'est pas forcément tout ce qu'il lui faut. Mais nous allons préparer nos affaires, en effet. Est-ce que vous en parlez à Elendir? Parce que je sais pas si Elendir sera dans la chambre de Morsan, je pense pas. J'ai déjà en parlé à Malariel. Que Elendir, je sais pas où il dort. Parce que de mémoire, Ryu, t'avais pas Elendir, il dormait pas au temple avec nous. T'avais trouvé un autre endroit où dormir, toi. Non, non, mais ce qui va se passer, c'est que quand tu as besoin de. En fait, quand tu commences à mettre l'idée à voix haute de. Si tu cherches les me dire, il va toquer à la porte. Déjà, je vais aller voir Morsan. Et après, j'en parlerai sûrement avec Morsan. Et Je crois que Malariel va Malariel. accueillir Elendil, alors, de toute façon. Ben, Malariel, de toute façon, elle est dehors, en bonne ranger elfe sylvaine. Elle C'est dort pas en faux. dehors de la ville. C'est ça, d'où Je le veux dire, fait, je pense qu'elle va accompagner Elendir pour toquer à la porte et revenir au temple de Solar pour aussi prendre des nouvelles de Morsan avec Elendir. Et bien sûr, Malariel va être contente d'accompagner Elendir jusqu'au temple, puisque effectivement, ça va la changer un petit peu des blessés et des clercs. oui, enfin, le temple de Solar, c'est une hospice, hein. C'est là où on soigne quand même, hein. Donc des blessés et des clercs, t'en as partout, hein. Oui, mais on va dire que Malariel, c'est pas non plus son passe-temps favori, alors elle est contente de ne pas être toute seule à souffrir. Et du coup, elle va, une fois que tu auras pris les nouvelles de Morsan, bah, ils vont toquer à la porte. Bah du coup j'arrive dans la chambre de Morsan et je fais comment ça va mon ami, tu t'es bien remis? Aussi bien qu'on peut l'être après être mort. Mais oui, ça va beaucoup mieux. Mort n'a été qu'un léger passage, je dirais plutôt que tu t'es évanoui un peu longtemps. Un peu profondément, plutôt. Mais ça va. Merci de ton inquiétude. Ah, cela m'a permis de que cet évanouissement ne soit pas éternel ou définitif. Par contre, je venais de voir. Est-ce que tu penses être en état de voyager? Ça dépend. On va où? Le grand prêtre veut partir au concile à Flamelin dans la journée. Et il faut que je l'accompagne. On Et peut je pas. précierais que tu viennes aussi. Je pense que ta parole pourra être utile face au concile. Il faut partir aujourd'hui. Ce serait mieux, oui. Après, si tu as des choses à finir ici, je comprendrai et je commencerai à me débrouiller au concile sans toi. Si tu peux m'y rejoindre pour porter ton témoignage, je pense que cela me sera utile. Ce serait quoi le programme une fois arrivé? Discussion entre grands prêtres, là là là, qu'est-ce que Monsieur Dirando a fait qui mérite qu'il soit chassé, là là là.
Est-ce que c'est pas Arkil qui est soif de son propre pouvoir et de sa propre notoriété? Là là là. Réunion politique de merde, le genre de truc bien chiant dans une organisation comme celle-ci. Est-ce que tu auras besoin de moi tout de suite ou est-ce Je que pense. j'aurai le temps de faire 2-3 trucs avant d'être convoqué ou après avoir été convoqué éventuellement? Si t'es 2-3 trucs se passent ici, tu peux les faire tranquillement avant de venir avec moi à Flamelin. Ils peuvent se faire aussi là-bas, c'est pas un problème. Eh bien, s'ils peuvent se faire là-bas, je pense qu'on aura. Tu devrais avoir largement le temps de le faire avant ou après. Ouais, Je j'espère. n'aurai besoin qu'à un moment que tu interviennes pour témoigner de ce que tu as vu et de ce qui s'est passé lors de la destruction du miroir de Solar et de ce qui en a suivi. Très bien. Un peu de marche ne pourra pas me faire de mal. Me récupère jamais aussi bien qu'au grand air. Bon, après, il va falloir demander à ceux qui sont envoyés par Amon s'ils veulent ou pas venir avec nous. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? N'y avait pas réfléchi jusqu'à maintenant. Je n'y vois pas d'inconvénient, honnêtement. Personnellement, j'ai apprécié que Malariel, entre guillemets, protège la porte pendant qu'on le soignait. Ça nous a permis de travailler plus consciencieusement. Ben, dans ce cas-là, proposons-leur. Encore va-t-il falloir les trouver. Quoi, il n'y a pas le toc-toc-toc là? Toc toc toc. Voilà! Et tu Je vais vois. ouvrir à la porte, voir qu'il y a. En fait, tu vas voir Malaria qui va l'ouvrir avant même que tu arrives. Et qui va dire oh, c'est moi, je viens aux nouvelles pour voir si notre cher Morsan est d'attaque. Heureusement Là, qu'il très est bien. relativement vêtu et dans un état à recevoir une jeune femme. C'est pas grave, j'en ai vu d'autres. J'ai amené Lendir avec moi. Nous parlions justement de vous deux. Ça m'inquiète un peu. Ah, très bien. Donc, quels sont vos projets? Nous devons aller à Flamelin pour régler certaines affaires. Si j'ai bien compris, Dirando va acheter un coup d'œil à Morsan, relatif à nos églises respectives. Et une fois que cela sera fait, nous verrons. Mais personnellement, je pense que ça va me prendre un peu de temps à régler ce qu'il y a. Je vais devoir assister à un concile de mon église. Bien. De toute façon, Amon nous avait conseillé de prendre de vos nouvelles, donc j'imagine que cela sous-entendait de prendre un petit peu soin de vous. Donc je pense que ça serait bien qu'on vous accompagne, histoire que vous arriviez à vous en sortir. Enfin, si on peut y faire quelque chose. Et du coup, elle regarde Elendir, voir s'il approuve ou pas. Combien de temps ça va durer votre affaire? Parce que, non pas que je comprenne l'importance de la cause, mais je vous rappelle qu'il se trame des choses urgentes. Il se trame des choses urgentes, en effet, mais Morsan et moi aurons du mal à agir si nous sommes sous un triple avis de recherche. C'est ça. Autant l'avis de recherche du Blosscon ne m'inquiète pas tant que ça. Celui de la famille Loralen l'est un peu plus, mais celui de mon église peut être très gênant. C'est ça. Et surtout vu la région où on est. Autant l'avis de recherche de la famille Loralen, en plus on ne peut rien y faire. Ce
Ce serait trop compliqué d'aller communiquer avec eux, de leur envoyer des messages, les allers-retours prendraient beaucoup trop de temps pour que ce soit une solution viable pour expliquer la situation. Autant avec l'ordre de Direndo, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide de essayer en tout cas de le régler. Donc, puisqu'on peut le faire, faisons-le. Et Surtout de plus. que ensuite, après, moi j'ai des trucs à faire dans le sud et passer par Flamelin est une étape logique. Et de plus, nous sommes bien d'accord qu'il y a une menace importante qui pèse sur notre monde. Et un concile de la totalité des grands prêtres de mon église peut être un bon endroit pour trouver des alliés et plaider sa cause. Je ne sais si vous êtes habitué aux finesses de la politique, moi personnellement, elle me délecte. Mais vous verrez, Alain, dire que il peut y avoir des tas de messes basses dans ce genre d'endroit qui pourront être intéressantes, dignes de ce que certains appellent une cour. Très bien, très bien. Et de ce fait, je pense que vous allez sortir et partir en route. Avec Boa, du coup. Avec Boa et... comment c'est celui-là? Pourquoi j'ai une blague à la con qui me vient en tête? Je vous la dis Oui, ou pas? moi aussi, mais le problème c'est que c'est Garc, c'est ça? Non, c'est surtout pas autour du cou. Ok. Et pendant ce chemin, quand est-ce que vous sortez tous en groupe pour aller jusqu'à Flamelin ou pas? Alors, est-ce qu'on part avec le grand prêtre, avec Grève ou pas? Grève. Putain, faut que je le marque parce qu'à chaque fois je transforme son nom, celui-là. Oui, Grève et Boa. Ouais, donc je suppose qu'on va avoir une escorte. Alors c'est Guerre. Je te remets le nom. Guerve. Oui, parce que je suis en train de le transformer depuis tout à l'heure. Là, je suis en train de le chercher dans ma tête à chaque fois. Je pense que la dernière partie c'était limpide dans ma tête, mais là ça ne l'est plus. Le nom du grand prêtre Denis Laurent, avec qui j'ai un bon contact d'ailleurs. Par contre, je suppose qu'on va avoir une escorte d'un minimum de quelques paladins, si on part avec un grand prêtre. Au moins 5 paladins en plus du coup de Garve et de Boa. D'accord. Sachant que Donc. contrairement au moment où vous deviez avoir le combat avec Morsan, où vous en aviez je crois une dizaine, je crois, là tu remarques que c'est un petit peu plus soft. Ils considèrent que c'est d'Irando, quoi. Oui, non, mais c'est surtout que c'est une escorte pour. En fait, c'est pas des paladins pour me balader moi. C'est surtout une escorte pour le grand prêtre. Donc c'est une petite escorte, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais ça fera du monde avec qui Mortsan pourra s'entraîner pendant le voyage. Parce que je sais pas pour combien de jours on a de voyage pour aller à Flamelin. Je pense que ça va pas durer Peut-être 2 jours. longtemps, même pas une journée. Vous y allez à cheval? Tout le monde fait. Non, pas tout le monde. Si, je crois On y va à qu'Elendir il pied. fait du cheval, je crois. De toute façon. Bah, pas spécialement. Ah oui, donc ça va être un petit peu plus long. Peut-être une journée et demie. Crois qu'aucun de nous spécialement n'est habitué au cheval, donc y aller à pied avec un chariot pour le grand prêtre me paraît plus. On n'était pas arrivé en cheval ici? Il me semble. Non, je crois qu'on était arrivé à pied. Non, non, on avait fait le voyage à pied, nous. C'est Elendir et Malariel qui avaient obtenu des chevaux pour essayer de nous rattraper, je crois, de mémoire. Alors vous allez. D'accord, ok, je vois. En fait, vous allez mettre 2 jours pour y aller parce que vous alliez, parce qu'en plus vous alliez aller un petit peu en procession, entre guillemets. Donc vous allez mettre au moins 2 jours pour y aller. Faut que je le note d'ailleurs dans mon. Juste avant de partir, au moment où vous franchissez la porte, il y a Direndo qui s'arrête un peu et puis qui fait partez devant, je vous rejoins. J'ai oublié que j'ai un petit truc à régler. Rattrape-nous vite. D'ailleurs. Et pas.
trop, je rappelle que tu es en convalescence. T'inquiète pas. La fois, c'est la même chose. Si j'ai dû si j'ai pu finir les cours de paladin, c'était justement grâce à à mes capacités physiques, donc. Voilà. Ok. Je m'inquiète pas, mais avant que tu partes, je vais quand même te faire un petit truc dessus. Hein. Attends, il dure combien de temps? Il dure. Ah, il n'y a pas duré. Si, jusqu'à une heure. Ah putain, non, c'est trop court. Ouais, non. Je t'aurais fait une amélioration caractéristique, mais non, ça va être trop court. J'y crois pas. J'ai mis du temps à te comprendre, mais j'ai compris. Tu l'y fais ou quoi? Non, ça dure combien de temps? Une heure, c'est ça? Ça dure que une heure, c'est trop court. Bien. Du coup, c'est bien Niline ou Laurent que tu fausses compagnie à Dirando ou c'est à l'arrivée Flamblin, je pense? Ah non, c'est à la sortie de Niline ou Laurent, en fait. C'est, parce que bon, il y a une druidesse à qui il doit parler. Oui, c'est oups. Vrai. Oups, on l'a oublié. D'accord, ok. Tu vas voir que je vais faire un gros sourire quand tu vas partir. Passe le bonjour de ma part. J'y penserai. Une question, ça rougit de quelle couleur un sang dragon blanc? Je pense que ça blanchit. C'est-à-dire qu'il doit être, je pense, une peau un peu grisâtre, je pense, ton sang dragon morxant. Je dois admettre que je ne me suis pas arrêté sur la couleur précise. Hein, Mais je pense que effectivement, quand tu entends parler de ça, surtout de Dirando et devant Malariel et Elendir, je pense que tu blanchis un petit peu. Après, et puis dans cette tête, il se dit heureusement que Tropez n'est plus là. Qu'est-ce que fait Elendir quand il voit que Morsan prend un petit peu le large pour aller dans son coin? On l'attend. Ne vous inquiétez pas, il nous rattrapera sans problème. Il a juste une petite affaire à régler, vais-je dire, qui a d'importance pour lui. Nous avions beaucoup de choses à faire ici que nous n'avons pas eu le temps de finir. On se met en route. D'accord, donc tu te mets en route. Pierre Malariel, si vous voulez l'accompagner, vous aurez peut-être des facilités à trouver la personne qu'il cherche. Attends, je lui fais faire un jet de perspicacité quand même, parce que... parce qu'elle va tenir la chandelle, la pauvre. Non, par contre, non, c'est je demande à personne de m'accompagner, hein, c'est je vais y aller seul. C'est lorsque Dirando fait ça, c'est pas la peine, je me débrouillerai seul. En fait, tu vas voir. Tu vas voir Malaria qui va te regarder, va voir assez clair en toi, elle va se retourner vers Dirando. Je crois qu'il est assez grand pour régler ses petits problèmes tout seul. Je ne sais pas lesquels que c'est, mais je pense savoir que je serai de trop dans l'histoire. Mm-hmm. J'espère qu'il va retrouver sa druidesse. T'inquiète pas. Et du coup, on se met en route. Vous vous remettez en route. Et du coup, quand vous remettez en route, ceux qui se remettent en route, est-ce que Elendir reste avec le groupe ou est-ce que des fois il s'éloigne ou pas? Question. Je vais suivre le groupe, mais disons que si le groupe passe par la route, il va essayer de vous expliquer que lui va prendre un chemin un peu parallèle, on va dire. Et il va plus... Il va plus faire du hors-piste, Elendir. Faites attention quand même, entre guillemets, sur ces routes. Elles sont censées être sûres. Mais enfin bon, on a vu à quoi ressemblaient les effets de la garde ces temps-ci. Donc jeu MP, deux minutes. Et je pense que Malariel va peut-être vouloir venir avec lui, du coup.
Ah, tu n'as pas compris. En fait, pendant que vous prenez le chemin pour aller là-bas, je vous suis, mais moi je suis en mode discret sur le côté de la route. D'accord. Ouais, non, mais c'est planqué. Moi, je serais tranquillement en train de discuter avec avec Gerv. D'ailleurs, Claude, j'avais pas fait gaffe, mais est-ce que tu m'autorises à changer l'archétype d'Elendir par avec un des nouveaux qui sont sortis sur le DRS? Je vois qu'il y a énormément de nouveaux contenus sur le Yes, DRS. si tu veux. Si tu veux, si ça le change pas de trop, pourquoi pas. Parce que j'avoue qu'il y en a un petit peu beaucoup, ouais. Hop. Oh, mais je sais plus écrire, moi. Voilà. Et du coup, de ton côté, Morxan, tu vas assez facilement, je pense, retrouver Tilly qui, mine de rien, son petit QG là où vous l'aviez déjà croisé en forêt. D'accord, ok. Et forcément, ils vont t'avoir pisté un petit, enfin, ils vont t'avoir senti un petit peu à l'avance, puisque tu sais que ta chair est tendre a des petits moyens Oui, j'ai de pas cherché à être renifler ton discret non odeur. plus. Voilà. Parce que discrétion et toi, c'est un antonyme. C'est ça, c'est, je sais bien que ce serait peine perdue d'essayer, donc juste bon, repérez-moi les gars, qu'on finisse. Et du coup, je vais te demander un petit jet de perception. Alors, je peux te le faire par contre, ben voilà. Ah. Non. D'accord, alors que dans son sens, t'es sérieux? D'accord. Ok. Oh, ok, bien. Oh, tu vas te faire avoir, mon coco. C'est de la perception, tu en as quoi? En fait, tu marchais, tu voyais qu'effectivement le camp était dans ce coin-là. Et tout d'un coup, tu vas avoir quelque chose qui va te sauter dessus, qui visiblement vient d'un arbre sous lequel tu passes. Est-ce que tu te laisses faire ou est-ce que tu essayes de tenir debout ou pas? Est-ce que ça a l'air d'être humain ou animal, enfin humanoïde ou animal ce qui me saute dessus? Ou est-ce Ça qu'il a est pas l'air tellement autant? d'être les deux, entre humanoïde et animal. Parce que ça sort ses griffes, potentiellement. Alors, je vais tenter de me défaire de la personne, mais sans toucher à mes armes en fait. C'est-à-dire juste me secouer de manière à être. C'est bon, j'ai compris. On tape pas. C'est bon. Fais-moi un petit jet d'acrobatie pour voir si tu lui fais pas trop mal. Non mais sans blague. Oui, il lui fait mal. Ok. Ok, ça marche. Là c'est même pas la peine, c'est juste en fait t'es resté accroché à moi là, mais qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu bouges dans tous les sens? Et en fait, par réflexe, en fait, tu vas sentir quelque chose qui te saute dessus. Et par réflexe, tu vas te dégager du bras un petit peu violemment. Et en fait, tu vas remarquer qu'en fait, c'était Tilly qui veut te faire la surprise et te foutre à terre. Et du coup, tu lui as un petit peu fait mal au ventre, en fait, pour le coup. Désolé. Ça lui apprendra à faire des surprises. Du coup, je vais lui tendre la main de désolé. Ça va? Et elle va se dépoussiérer entre guillemets. Alors pas avec les mains, hein, tu vas voir qu'elle va le faire en se secouant un petit peu tout le corps. Elle va te lancer un petit sourire et puis elle va te dire, ah oh, mais
T'inquiète pas, je vois que tu as toujours tes bons réflexes. Disons que récemment j'ai eu quelque chose qui m'a incité à être sur mes gardes, c'est pour ça. Et... Désolé. Et... Mais est-ce que maintenant je peux m'approcher de toi sans risquer de... Oui, c'est bon, t'inquiète pas, c'est... Donc du coup, hein, je fais pas la précision, mais elle vient s'enlacer, quoi. Parce qu'elle est contente de te voir. J'en profite au moment où on est l'un contre l'autre, je lui fais une imposition des mains pour 5 points de vie. M'étonnes. Jolie C'est l'avantage d'être un attention. paladin. Jolie attention qu'elle va apprécier. S'appelle un câlin sacré, c'est ça? Câlin sacré, c'est pas mal ça. Forcément, du coup, je pense que vous allez passer un petit moment à vous retrouver. Oui, et puis ben, je lui explique la situation ben, de pourquoi on est reparti, pourquoi je n'ai pas donné signe de vie pendant si longtemps, et pourquoi je dois repartir aussi. Bien. Et ben, potentiellement, qu'est-ce qu'elle attend de vous deux aussi? À savoir si pour elle, elle pense que ça peut aller plus loin ou si. Pour aller rien de plus. Entre elle et toi ou Oui? Ah oui, bah oui, c'est. elle considère Enfin. que de toute façon ta vie est en grand blanc du coup, du côté entre Niline et Laurent en bout Flamblin, puisque c'était là où elle t'a rencontré et là où tu avais tendance à vouloir t'inscrire par ton serment. Elle te dit que de toute façon, quel que soit ton choix, même si elle tient beaucoup à la garde de Niline et Laurent, ça n'empêche que tu lui as beaucoup manqué. Ce qui fait que. Ça l'embêterait de partir, mais après tout, c'est vrai qu'elle a tellement peu bougé de l'endroit qu'elle a aussi envie de voir un petit peu de pays. Donc si jamais tu devais partir pour voyager, elle t'accompagnerait avec plaisir. Mais en attendant, elle préfère que tu fasses tes marques, que tu sois à l'aise déjà avec tes compagnons que vous verriez plus tard ce que vous ferez en espérant que tu daignes revenir de temps en temps à Niline ou Laurent quoi. Je reviendrai aussi souvent que possible. Elle te dira aussi que en ce moment c'est un petit peu fou à Niline ou Laurent parce que t'avais des prêtres du Noirceau qui avaient tendance à péter un petit peu un câble et juste à cause d'une querelle qu'ils ont eue lors d'une célébration à Niline ou Laurent et du coup ils sont en train de foutre le bordel un petit peu pour celui qui aurait la meilleure guilde d'aventuriers pour les accompagner, etc. Du coup, ça devient franchement du n'importe quoi et ça fout le bordel dans tout Niline ou Laurent, quoi. Pour ma part, le noirceau, c'est quoi exactement comme religion? C'est ils vénèrent qui, en fait? Alors en fait, c'est un culte qui est un petit peu, je vais pas dire antagoniste, mais un petit peu contrariant le Lindo, du coup, ce qui est plutôt celui de d'Irando, si je me souviens bien. D'accord. Enfin, un petit peu celui d'Irando, parce que du coup, l'Irando est plus du côté de Solar maintenant. Alors, de mémoire, de ce que j'ai compris du Noirceau, en fait, c'est la religion de on n'a plus de Dieu. C'est ça, Tu sais qu'à D'accord, ok. un moment dans l'histoire, il n'y avait plus de divinité reconnue. Donc, en fait, la religion, c'est devenu le Noirceau. Donc, en gros, ce sont des athéistes. C'était Des des fatalistes. athéistes, et ils sont en train, un peu à peu, de
de faire des offrandes, etc., aux dieux et de se remettre à avoir les dieux dans leur temple. Mais voilà, c'est juste un gros courant religieux qui donne moins d'importance aux dieux qu'à la religion elle-même. Et en fait, c'est pas forcément athée, c'est plus fataliste. C'est dans le sens où de toute façon, on va tous mourir. Ok, c'est l'acceptation de la... Mais, ok. Je vois. Et est-ce qu'ils sont... Est-ce que c'est genre... C'est... Elle est perçue comme étant, on va dire, neutre, comme une religion standard, ou est-ce qu'elle a plutôt une réputation maléfique ou quoi que ce soit? De base, neutre, c'est elle qui a le pouvoir religieux. Quasiment. D'accord, mais neutre sinon. D'accord, ok. Après, le souci, c'est que comme c'est une religion neutre, comme toute religion neutre, t'as certaines individualités qui essayent de le pervertir pour leur propre bénéfice. Oui, je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas genre comme un ordre de nécromanciens ou quoi que ce soit, et qui pourrait vraiment avoir un côté pervers et vraiment néfaste. C'est plus les individus avec leur usage de cette religion-là qui en font quelque chose de mauvais. C'est pas la religion elle-même qui est. Ok. Dans ce cas, je vais répondre à Tilly. Fais attention à toi. Ça marche. Et si jamais ton affaire te prenait pas trop longtemps, n'hésite pas à te renseigner du côté de Flamelin pour savoir si au niveau du temple du Noirceau. Que ça soit frère Toden ou l'autre, j'aurai du mal aussi, ou Cusosil, je vais te l'écrire. Ouais, je veux bien, surtout pour le deuxième. Oui, t'inquiète, même à dire c'est compliqué pour moi. ou Cusosil, savoir ce qu'ils sont vraiment au niveau du Noirceau, s'ils cherchent à mettre en avant leur individualité, ou alors est-ce qu'ils sont vraiment intègres au niveau du Noirceau. Qu'est-ce que tu crains à propos d'eux? Je crains que ces personnes essayent de gagner du pouvoir et un jour de que ça soit au détriment de notre communauté. En particulier en essayant de s'accaparer des armes magiques que nous ne pourrions contrôler à l'avenir. D'accord, ok. Et je crois que de ce côté-là, toi et ton ami, je crois que vous vous y connaissez assez bien ces derniers temps. Bon, dis donc que si jamais ça tourne mal, ça ne fera qu'un ennemi de plus. Et au moins, on saura pourquoi cette fois-ci. Oui. Mais ceci dit, avant de vous en faire des ennemis, cherchez déjà à prendre des informations et puis... dès que tu me les auras données ou fait parvenir, on saura quoi faire avec. Si je dois te contacter, est-ce qu'il y a des personnes particulières à qui je dois adresser la lettre, des personnes de confiance afin d'être sûr qu'elles te parviennent, ou directement à toi Tu peux te fier à certains éclaireurs de la garde de Ninine Noran, dont tu reconnaîtras l'emblème sur leur cape. D'accord, ok. Très bien. Ils sont pas tous au courant de l'affaire, mais ils comprendront. Ils pourront te faire passer un message. Très bien. Je ferai attention à ça. Bien. Bon, je pense que je vais y aller. Peut rattraper mes compagnons. Oui, nous avons tous les deux à faire. Je crois que moi également, j'ai quelques petites choses à faire également. Bon, allez, bonne journée à toi. Prends soin de toi. Merci. Toi aussi.
Et elle t'embrasse une dernière fois. Et elle se met à courir du coup de son côté pour rejoindre les siens. Moi, je vais rejoindre la route, et puis une fois que j'ai rejoint la route, je vais courir à un rythme correct, mais quand même un peu courir pour les rattraper. Grosso modo, si possible, avant la nuit. Ok. Comme la procession est assez lente en soi, puisque de leur côté, Gerv et Boa n'hésitent pas à discuter avec Dirando de tout et de rien, en particulier de savoir si Dirando a réussi à avoir de nouveaux disciples. Oh, je leur répondrai que j'ai pas cherché à avoir des disciples. J'avais entendu parler d'un gros problème de démons, entre guillemets, sur une île, sur les terres d'où je viens. Et j'ai surtout essayé de régler ce souci. Bonne nouvelle, les démons ont été bannis et le temple qu'ils occupaient a été consacré. Bon, après, on a été dérangé, à la suite, mais ça, c'est une autre affaire. Très désagréable d'avoir des chasseurs de Primodo. Vous avez été dérangé, auriez-vous par hasard rencontré des pirates? Tu vois desquels je veux parler? Nous avons rencontré des pirates, mais dans le Bloscon, soit on rencontre des pirates, soit on rencontre les forces royales. Des deux, personnellement, je préfère les pirates, ils ont plus d'honneur. S'ils viennent de chez nous, oui. S'ils viennent du Ragaron, je ne vois pas où est leur honneur. Mais bon, bref. Bloscon, on sait, enfin dans Smithine, on sait comment s'occuper de ceux qui viennent de trop au sud. Du smithing. D'accord, je vois. Ah, c'est déjà beaucoup mieux. Ils viennent de chez nous, au moins. Ne va pas dire ça à quelqu'un du Smithine. On est assez, comment on dit, indépendantiste. Oui, je m'en doute, c'est pour ça que je le dis à demi-voix. Du coup, c'est Germain à qui tu parles tout à l'heure. Très bien. Enfin bon, après c'est ma terre natale, je la connais bien. Et nous sommes heureux d'avoir un représentant de cette terre parmi nous. Mais ça, tu le sais depuis longtemps, je crois. Mais le grand prêtre ne serait pas qui nous rejoindrait du Smithine, ne serait pas Regnan, ou sera-t-il dans sa suite? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je me demandais si j'aurais des chances de le revoir. Il y a des choses qui puissent être à flamme là, mais après j'en doute un peu. Flamelin aujourd'hui n'intéresse pas grand monde, surtout à l'approche de certains tremblements de terre. Les grands Oui. dirigeants, bizarrement, partent quand la montagne gronde. Oui, et Regnan sera plus sûrement resté à son monastère pour s'occuper des initiés. C'est ça. Déjà, il n'aimait pas voyager à l'époque. Et on peut le comprendre, effectivement. Après, à voir si votre moyen de locomotion puisse se vulgariser, j'en doute, mais bon. Les miroirs de Solar, j'en doute aussi. En tout cas, vous avez bien eu de la chance, enfin, tu as bien eu de la chance de trouver ce moyen. Et comme je te l'ai déjà dit auparavant, certainement que Solar lui-même a souhaité te faire bénéficier d'un pouvoir car il t'en sent habité.
responsabilisé, contrairement à Je pense d'autres. en effet. Je pense en effet que Solar voulait que je retourne dans le smithing pour régler cette affaire. Après, dès que j'ai pu, je suis revenu régler les petits soucis que certains nous ont mis sur le dos, dont Arkil. Au moins celui-là, je peux le régler. Ouais. Enfin, essayez. Nous essaierons. Entre amis, nous essaierons. Et sinon, en parlant du conclave, as-tu une idée de quelles seront les factions en présence? Eh bien, si Arkil nous fait l'honneur d'être présent et de pouvoir répondre à certaines questions, en particulier pourquoi te recherche-t-il? Quelles sont ses raisons? Surtout celle que j'aimerais bien mettre en avant, c'est de savoir si ce sont pour des raisons personnelles, du genre jalousie, conséquence. Entendre ce que tu as à nous dire, car je pense que si Solar t'a donné la possibilité de traverser ce miroir, peut-être que nous devons entendre certaines choses importantes, un certain témoignage. Et je pense que ça pourrait être utile également que tes amis nous fassent connaître quelles ont été tes activités depuis que tu es parti de du temple pour aller vers Oh, Morxan a été mon compagnon de voyage ces dernières semaines. Pour ce qui est de mes activités précédentes, simplement la vie d'un simple et humble prêtre allant dans les campagnes pour aider les gens comme il le pouvait. J'ai Par cru. contre, cela m'a fait voir beaucoup de choses sur ce que sont l'état des campagnes actuelles. Je veux bien te croire. J'ai cru entendre parler de toi du côté d'une caserne militaire où effectivement tu as montré effectivement un certain regard pour la population. Et de ton activité là-bas. Ce qui m'a amené à penser que ces accusations sont loin d'être fondées et qu'il faudra prouver qu'effectivement tu n'as pas exercé ton culte correctement. Et ça risque de Je donner. me contente d'essayer de porter la grâce de Solar sur toutes les vies que je croise. Et je l'ai toujours fait. Je ne suis pas convaincu qu'en ce qui nous concerne, ça soit le cas. Qui concerne Arkil? Ouais. Nous l'avons souvent. Nous lui avons souvent reproché, lorsqu'il était à Nilinolran, de s'enfermer avec certains gardes autour de cette zone, du miroir et de ne pas sortir, de ne pas faire honneur au temple et cela semble Peut-être montrer que était-il juste à la recherche de la grâce de Solar. ou plutôt d'un pouvoir en particulier que tu aurais dérobé sous son nez. Je me suis contenté d'être l'instrument de notre divinité pour réparer ce miroir. Rien de plus. En tout cas, ce que j'aimerais aussi dans ce conclave, c'est dans ce concile, c'est d'essayer de mettre en avant, s'il était possible, son activité louche,
et éventuellement de Cela, savoir. je crains de ne pouvoir être utile, je ne pourrai que défendre ma cause. Mais peut-être que tu pourrais en parler au jeune homme qui nous accompagne, Elendir. Il m'a l'air très compétent pour trouver certaines informations. Je pense qu'effectivement, cet individu qui n'est visiblement pas en train de marcher avec nous doit certainement être en train de... Soit est parti comme un curieux personnage, ou alors est-il en train de nous regarder en piochant des petites informations à droite à gauche. Enfin, nous verrons bien s'il nous est utile. Si jamais c'est le cas, et si jamais son utilité est révélée, peut-être devrais-tu le convertir, c'est jamais. Peut-être pourrais-tu déjà commencer par parler avec lui. Puis ce soir au camp, il y a des chances qu'il nous rejoigne. Et tu verras si il peut t'aider à obtenir les informations dont tu as besoin pour révéler la vérité sur Arkil. Bien. Claude, Oui. je te fais un jet de perspicacité. Oui. Je veux savoir, suite à cette discussion, Oui. si il serait pas en train en fait d'avoir ses propres ambitions à lui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu peux. C'est un jet normal. Oh. 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 Tu vois dans ses yeux qu'il voue, enfin, même pas que dans ses yeux, dans son comportement, tu vois que de ce que tu connais de lui et même de ce que tu vois de l'attitude qu'a Boa envers lui, tu te dis que t'es bizarrement élevé à un rang un peu exagéré. Comme s'il essayait de faire de toi un outil de puissance, en fait. Oui, mais ma question c'est, est-ce que c'est dans son intérêt à lui ou Ouais. dans un intérêt autre? C'est dans son intérêt à lui, visiblement. D'ailleurs, tu remarques que il parle ni de Solar ni de lui, mais que par Ouais, rapport. non, c'est... On se retrouve en pleine guerre politique, on est d'accord. Claude, Ouais. je pense que ça commence à être urgent que tu puisses répondre à ma question, s'il te plaît. Pardon, je l'ai pas vu. Que je t'ai appelé il y a un moment. Ah. Combattant. Et surtout, t'as dit Renaud qui arrive au butin qui est Ah bon? T'as bien ce qu'il a fait? Ok. Bah. Pendant que tu discutais, Renaud, tu. Putain, ça est bon, c'est. Oui, ça dit Renaud. T'es à découvert, vous êtes pas genre caché ou. Non, on est tranquillement en train. Alors, à mon avis, on est en train de discuter pendant qu'on marche. Donc, lui, s'il est un peu âgé, il doit être sur une charrette ou l'équivalent d'une chaise à porteur ou un truc du genre. Et je suis à côté tranquillement avec Boa en train de discuter. D'accord. Bah, je pense qu'à un moment donné, pendant que vous discutez, tu vas entendre une voix derrière toi qui dit Tirando? Je me retourne. Là, c'est à dire. Oui. Comment ça va? On peut discuter 2 minutes? Bien sûr.
Si vous permettez, je regarde quoi. Vous inquiétez pas, on n'est pas loin et je n'ai pas l'intention de louper ce conseil. Du coup, il te prend un peu à part. Je pense que le nom d'Arkil te dit quelque chose. C'est le chef de mon ordre. Ah, parfait, parfait. Il n'est pas loin ? Comment ça, il n'est pas loin ? Non, je te demande si tu sais. Si t'es... Ah, bah non, non, attends, non, non, j'ai pas demandé ça. Non, c'est très con. Bah, c'est le chef de mon ordre, parfait, parfait. J'ai eu quelques informations. Dans le genre, quel genre d'informations ? Dans le genre, c'est un démon. Tes informations sont pures ? Oui, 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 car je vais te dire que là, c'est pas n'importe quel informateur qui m'a donné cette information. Alors. Et je vais aller plus loin, on m'a prévu que c'était un démon, qu'il est en fuite et qu'il est parti au large de Dragonlin. Est-ce que tes sources sont nommables ? Non. Tu te rends compte qu'on est en train d'aller à un concile de la totalité de mon ordre et que tu es en train de me dire que le chef de l'ordre est un démon ? Ah oui, 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 j'en suis bien conscient et c'est pour ça que je t'en parle maintenant, avant qu'on y arrive. Je doute qu'il sera présent au concile, mais... Non, car il est au large du dragon, hein. Donc il a l'air d'être en fuite. Donc, en fuite de quoi j'avoue que le message que j'ai reçu était bref. Mais... Je... faudrait te renseigner pour savoir où est Arki en ce moment. Essaye de garder entre guillemets contact avec cet informateur, c'est... Je pense que ces informations-là seront extrêmement précieuses le moment donné. Sinon, le grand prêtre Gerv pourrait vouloir parler avec toi pour obtenir des informations, entre autres choses, comme celles que tu viens de me souffler. Je te prie par contre de faire attention à une chose. Il m'a l'air peut-être un peu trop ambitieux. Voilà. Qu'est-ce que tu as dit sur moi jusqu'à présent ? Que tu étais capable d'obtenir certaines informations de manière efficace. Je crois que je ne me suis pas trompé. Non, mais tu n'as pas du tout parlé de ce que j'ai pu dire, de la guilde et tout ça. Non, rien. D'accord. Voilà. Juste que tu étais capable d'obtenir des informations. Et je pense que dans un milieu comme le conclave, tu te sentiras mieux que moi, en fait, pour obtenir des informations, même. Oui, c'est possible, c'est possible. Ta discrétion risque d'y être plus efficace que ma foi, même si ma foi est pure. C'est fort probable. Mais rassure-toi, je n'ai même pas émis le fait que tu aies un certain réseau pour obtenir des informations. Oui, 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 très bien. Bah, je vais aller voir ce prêtre et puis je vais essayer de reprendre contact. Du coup, je vais m'approcher de ce monsieur. Ah, monsieur. Attends, c'est quoi son nom déjà ? Gerv. Gerv. Ah. Oui, oui, sur Claude, vous avez donné un nom à la con. Moi, pendant. Gerv, c'est ça ? Gerv. Je vais à côté de quoi ? Gerv. Il paraît que. Vous voulez me parler ? Eh bien, je crois que vous êtes le fameux Elendir dont Dirando m'a parlé en bon éloge. Oh. Ah, vous savez, il a
C'est quelqu'un de très très bien. Il a tendance à voir le meilleur chez les gens. Il a forcément exagéré en parlant de moi. Non, je ne pense pas. D'ailleurs, j'étais en train de lui dire un petit peu comme ça, peut-être, que vu le style que vous aviez, peut-être avez-vous cette habitude de dénicher des informations pendant que vous dériviez du chemin principal? Oh, c'est des choses qui arrivent. Disons que j'ai l'ouïe fine et que malheureusement, les gens ont tendance à parler un peu trop fort. Eh bien, que les gens parlent trop fort ou pas, je pense que des gens comme vous sont utiles. Je pense savoir que vous avez d'ores et déjà bien aidé nos chers amis jusque-là. Ainsi que votre cher ami Oui. Malariel également. Oh, mais bien entendu, j'adore rendre service d'ailleurs. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous, n'hésitez pas. Eh bien, nous allons. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cette région du Grand Melun, cette plateforme de transport qu'est le Flamelin. Plateforme commerciale Oh, j'en ai entendu parler, j'en ai entendu parler. avec tout un tas de gens qui commercent et qui, quand ils commercent, parlent. Je pense que c'est peut-être un endroit qui peut être favorable à votre activité. N'allons pas parler d'activité, voyons, c'est un bien vilain mot. Non, c'est bien malgré moi que j'entends des bruits de couloir, dirait-on. Eh bien, Mais dites-moi, du coup, vous êtes dans le du même ordre que ce cher Dirando, c'est ça? oui, effectivement, nous sommes du même ordre. Et ma foi, votre cher ami a, semble-t-il, trouvé une voie qui l'amène à acquérir un pouvoir assez fort, voire peut-être le plus fort de notre ordre. Ah bon, mais le chef d'État, c'est pas un certain Arkil, il me semble. Oui, Harkil. Mais ce Harkil, c'est un individu que je vois mal faire une carrière plus longue. Ces accusations qu'il a proférées, ces menaces, me semblent être une opportunité de retrouver un pouvoir qui ne lui a pas été donné. Et je pense que ses actions sont influées par sa jalousie. Peut-être ses ambitions aussi d'ailleurs. Je vois. Il sera au, du coup, il sera à votre conclave au Flamelin? Oui, il nous a dit qu'il attendrait Dirando de pied ferme à Flamelin, histoire que Oh, les c'est deux fort. se rendent des comptes. Je vois. Dites-moi, ah, c'est pareil de Flamelin, il me semble qu'il y a d'autres régions dans d'autres villes au Gramelin. J'ai entendu parler de Draganlin. C'est. Eh bien, c'est le deuxième port commercial du Grand Melun et de loin
le plus important. Dragonlin est celui qui permet de commercer avec l'Est en se rapprochant d'un territoire de trop longtemps oublié, et du Sud avec le Ragaron, qui, malgré nos divergences, nous essayons de commercer également. Nous avons aussi cette possibilité, à part de Dragonlin, de pouvoir aller jusqu'à l'Aisne, cette ville jadis en notre possession et depuis peu retournée aux mains des Elorans. Donc c'est à la fois un port commercial et un point stratégique militaire aussi. Très bien, très bien. Mais pourquoi me parlez-vous de Dragonlin? Une curiosité touristique ou parce que vous en avez entendu bien parler sûr, il n'y a pas longtemps? Quelle autre raison? Bon, vous savez, comme on dit, quand un voisin vient vous parler d'une chose en particulier, c'est généralement parce qu'il en a entendu parler avant de venir. Mais bien sûr, c'est... Je n'entends pas, c'est pour ça que je voulais des précisions. Je vous remercie d'ailleurs. Eh bien, si ça vous fait. Si ça peut vous aider, vous pourriez également avoir pas mal d'informateurs à Dragonlin, si c'est les opportunités que vous recherchez. Mais dites-moi, mon cher Elendir. Croyez-vous en l'existence divine? Qui doit exister, mais je sais qu'il existe, oui. Parce que je vous avouerai que il faudrait que vous en parliez un petit peu plus avec Dirando, parce que je pense que vous avez un petit peu plus d'affect avec lui. Mais ceci dit, je vous dirais que si vous aimez l'honneur et la sagesse, je pense que Solar peut guider vos pas et vous permettre d'avoir une vie meilleure. Ah mais c'est très intéressant ce que vous dites. Il faudrait que j'en discute plus avec Dorme. Eh bien faites donc. Allez donc le voir et... Et si jamais d'ici Flamelin vous y êtes intéressé, peut-être que nous pourrions tenter de vous convertir et de vous associer à notre temple. Comme ça, vous et Dirando, vous serez plus forts. Je crois que votre cher ami Morxan est également très intéressé également. Cela serait une bonne chose d'avoir... des individualités aussi fortes que vous dans notre communauté. Ah oui. J'en doute pas. Moi, je vais arrêter de vous assommer avec mes questions et palabres. Je voulais profiter du paysage. On se retrouve. On pourra discuter aux flammes là. Allez. Bonne journée. Bonne journée à vous. Est-ce qu'il est un petit peu plus pompant que Dirando sur cela ou pas? Aïe, aïe, aïe. Et à ce moment-là, vous entendez... Alors, peut-être pas à ce moment-là, on va arrêter un petit peu avec les opportunités. Un peu de temps après, vous allez entendre un cheval qui arrive avec Morxan... sur la selle. Enfin, je sais même pas s'il y a une selle sur un cheval comme ça, mais... Si, je crois qu'ils sont invoqués avec harnachement. Ah, c'est le confort, quoi. C'est le luxe. Et...
Et vous voyez Morxan qui arrive après vous. Alors qu'est-ce que fait Morxan une fois qu'il arrive? Ah oui, par contre, le cheval, il n'est pas tout à fait normal. Oui, c'est ce que je me suis dit, j'ai pas regardé encore, mais. Avec des du type céleste. Ah oui! Est-ce qu'il a des ailes des fois? Non, 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 c'est qu'un cheval. Enfin, selon ce qu'il a choisi, c'est un cheval. Il a. Mais il a une intelligence de 5 et il est de type céleste. Ok. Il parle. Il a une intelligence de 6, Morxon. Autant que Morxan, c'est ça que tu es en train de dire? Non, c'est une question. Je suis en train de me poser la question, justement. Je Je suis en sais que train de lire tu. le sort en fait qu'il a linké. Je suis en train de. Ah bah non, mais. En fait, le cheval et Morxon vont peut-être s'entendre, en fait. Sauf qu'il peut communiquer par télépathie avec et que la monture peut parler. Une langue au choix de Morxan. Que Morxan connaît. Alors, j'entends plus Morxan, mais du coup, question pour Morxan, Ah bon? Oui. est-ce que Pourquoi? Morxan a une affinité particulière avec le cheval ou pas? Pardon. Bah, en soi, c'est un cheval que j'ai invoqué, c'est. C'est sûr que ça me surprend un peu lorsque je me rends compte que je peux parler avec lui. Mais sinon, à part ça, c'est une relation, on va dire, amicale, quoi, c'est. D'accord, ok. Donc il n'y a pas d'affinité de stats entre le cheval qui est un intelligence de 6 et. Ah non, c'est chaud. Non, pas particulièrement. D'accord. tu arrives à les rattraper. Est-ce que tu. Qui tu vas voir en premier? Alors moi déjà, le voyant arriver, bien belle monture, dis donc. Je crois que tout le monde. Hein. Tout le monde le regarde Oui, assez je. ébahi. Ouais, c'est. Alors, c'est. Ça serait un peu cocasse parce qu'en fait, j'avais commencé à partir en courant et je me suis rappelé à mi-chemin que je pouvais faire ça. C'est la première fois que je le fais, donc ça m'a surpris aussi. Une invocation, un don de votre divinité, je suppose. Probablement. Tu sais très bien que je me suis pas posé la question encore, donc je Oui. suppose que c'est le cas, mais voilà. Enfin, à mon avis, tu ferais voir un cheval comme ça à Tempeste, il en serait jaloux. Peut-être, mais et ça m'étonnerait qu'on le voie de si tôt, donc J'admets aussi. Mais lui qui était tout fier avec le sien, le tien est bien plus céleste. Et encore, tu m'aurais vu certains de mon ordre, c'était des hippogriffes. En effet, Mais ça bon. commence à faire de très belles montures. Allez. En effet. Et Malariel te regardera et te dira. Mon cher Morsan, vous cachez bien votre jeu derrière cette armure. Je le cache tellement bien que j'arrive même à me le cacher à moi-même, mon jeu. Donc C'est un c'est apprentissage, un peu involontaire. j'imagine que vous l'avez appris récemment et que vous n'avez pas encore pris acte de l'utiliser dans certaines circonstances. Utile. Ouais, c'est. On va dire c'est ça. Les Et. talents donnés par nos divinités ne sont pas forcément, en effet, expliqués instinctivement à tous. Et en parlant de tout ça, mon cher ami Morxan, comment s'est passé ton rendez-vous? Fut-il Plutôt agréable? bien. Ouais. J'ai certains des informations supplémentaires à récupérer, actuellement. Je vous en Ah. parlerai un petit peu plus ce soir. Ce sera Mmh. plus propice à la discussion que en plein chemin.
Bah, une fois que je les ai rattrapés, je révoque ma monture et je vais marcher à côté d'eux. Quand même. Elendir, par contre, si vous pouviez donner à Morsan les informations que vous m'avez données, histoire qu'il soit prêt pour cette rencontre. Je vous prie. Très bien, Je vais aller je discuter discute. avec Boa en attendant. Et j'embarque Boa pour discuter avec lui. Elendir regarde autour de lui s'il n'y a personne qui écoute et dit bon. Alors, elle est un peu surpris. Pour résumer, Arkil vend des bons, et au large de Dragonlin, et en train de fuir, mais je ne sais pas Mais pourquoi. c'est pas logique, on est censé aller le retrouver à Flamna. Ce qui t'étonne, toi, c'est qu'il soit en train de fuir, c'est pas que ce soit un démon, c'est sympa, ça. Veux-tu? Je pensais que tu avais une meilleure vue de l'ordre de Solar que ça, quand même. En fait, c'est juste que pour lui, en fait, c'est pas logique que cette personne-là, en fait, qu'on dise que c'est un démon, c'est vu qu'il ne la connaît pas et qu'il ne l'a jamais croisé. Enfin, si, il l'a croisé, mais bon, il se dit, voilà, déjà qu'on combattu des démons, ça peut en être un, et on sait comment gérer ça. Le truc, c'est que pour lui, il y a un paradoxe entre le fait qu'on est censé le retrouver à Flamla et le fait qu'on dise qu'il est au large de Dragonlord en fait. C'est Oui, non, mais ce, en fait, c'est ce paradoxe-là qui crée un là, peu de on est chelou. d'accord, c'est du morceau pur et dur. C'est ça. Oui, c'est ça. D'accord, et vous savez quel type de démon? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre en Non. particulier? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord. Et du coup, Mais. si jamais on croise une personne qui se présente comme étant lui à Flamelin, soit c'est quelqu'un qui ment, soit c'est un autre démon qui prend sa place, d'après vous. Je vais être sincère, cher Marxon, vous n'êtes pas là-dedans. Donc, vous avez Oui. normalement une sorte de sixième sens vous permettant de savoir ce genre de choses. Peut-être, mais étant donné que je ne fais pas partie de l'ordre de Solar, Oui, mais vous accompagniez. je ne pense pas que ce serait de bonne aloi que ce soit moi qui fasse ce genre de vérification. Ah, mais vous avez juste vérifié, vous nous en informez et on trouvera une manière. Mais de toute façon, une fois vérifié, vous n'êtes pas obligé de le dire à haute voix à tout le monde pour qu'on vous croie tout ça. Le problème, On c'est a que ce genre déjà de... son information. Mais Le... déjà, il faudrait qu'il soit au Flamelin, hein, parce que je vous rappelle que Peut-être. de ce que j'en sais, il est Mais là. ce genre de pouvoir-là n'est pas discret. Ils sont assez visibles. Leur résultat, certes, est personnel et n'est divulgué qu'à la personne qui a utilisé cette capacité-là. Mais tout le monde aux alentours, qui prête un petit peu attention, saura que j'ai utilisé ces capacités-là et sera en droit de me demander pourquoi je l'ai fait et qu'est-ce que j'ai perçu. Et surtout pourquoi je l'ai fait. C'est... Et techniquement, je ne pense pas qu'il se soit vanté sur les toits qu'il est un démon. Et donc du coup, si tout d'un coup je dis ça, bah, parce que je pense que l'un des membres ici n'est pas forcément ce qu'il est, ça peut jeter un froid. Encore, si j'étais un paladin de l'ordre de Solar venant avec cette délégation, ça pourrait peut-être passer, ou du moins être une explication plausible, mais sachant que je n'accompagne qu'en ma qualité de témoin, je ne pense pas que ce soit judicieux de ma part. Pour ne pas provoquer une crise supplémentaire. Mais j'ouvrirai l'œil. Vous. De toute façon, vous allez devoir camper parce que la nuit tombe pour votre première nuit. Vous allez aller dans une petite auberge étape entre les deux, pour ceux qui sont à pied.
Vous allez vous retrouver du coup dans cette auberge. Vous y allez tous à l'intérieur. Malariel vous dira qu'elle préfère de son côté aller profiter de la forêt pendant que vous êtes à l'abri. Vous éloignez pas trop. Non, vous inquiétez pas, je reste dans le coin à veiller sur votre sécurité. Le problème, c'est qui veille sur votre vie pendant ce temps. Ne vous inquiétez pas, j'ai des amis qui veillent sur moi. Tant mieux. Et pourvu qu'elle regarde jamais, qu'elle en soit jamais au courant. Vous êtes amené par Garve et Boa à l'intérieur de cette auberge où on vous donne la possibilité de manger, de boire ce que vous souhaitez. Est-ce que vous demandez, est-ce que vous prenez quelque chose de particulier ou vous faites genre soupe et puis dodo? Pas frugal et tout doux. Juste avant, je vais aller rejoindre Direndo dans sa chambre, juste avant après le repas, et lui expliquer les renseignements que m'a transmis Tilis à propos de l'ordre du temple, de l'ordre du morceau, et les recherches qu'il m'a demandé d'effectuer. Donc, tu aurais besoin qu'on obtienne des informations. Je crains d'être un peu occupé avec le concile, mais si je peux être utile à un moment ou à un autre, j'essaierai d'être là. Très bien. Et puis je vais aussi en profiter pour expliquer la situation à Elendir. Donc savoir si par exemple lui, via son réseau, il a des renseignements particuliers sur ces personnes-là, donc frère Toden et Kuzozil. Ah, tu le dis mieux que moi. On est arrivé à Flamelin ou pas encore là? Pas encore. Pas encore. Non, là, on est à l'étape des deux. C'est... Non, mais c'est pas grave si t'as pas d'informations. On s'est arrêté ou pas? Parce que est-ce que j'ai un contact ici ou pas? Certainement. T'as des contacts partout, donc si tu souhaites en prendre. Bah, je dis... Pendant que tu dis ça, il y a les dires qui se lèvent en s'étirant un peu. Je crois qu'avant de me coucher, je vais faire une petite balade digestive. Fais attention à toi. Merci, merci. Et l'éditeur va sortir. Du coup. Ok. Bah après ça, je vais aller je vais me coucher moi aussi. Et je vais chercher un informateur. Ok. Je te MP les infos. Ah, en vrai, Après, c'est toi qui me dis si je reçois que des messages. Ou si j'ai un informateur à qui parler, mais. Un informateur à qui parler, ouais. Bah, je préférerais avoir une vraie discussion. Ok. Aller en salon privé. Yes. Ouais, passons pas, ouais. Ah, j'ai pas un kiki. Là, c'est bon. Est-ce que tu m'entends? Oui, tu m'entends. Allô? Ouais, moi je t'entends aussi. Parfait. Alors, tu vas voir un vieil ermite, parce que de toute façon c'est généralement des vieux ermites, qui s'entête à vraiment
à se faire passer pour Domil Starongo, mais qui n'est pas son vrai nom, hein. Il a tout un autre nom. Alors, moi, dis-je ça, c'est dès qu'il dit ça, c'est. Attendez 2 secondes. Le message que j'ai reçu signé 2000 Starango, c'était de vous? J'aimerais bien que ce message vienne de moi, mais. Tu lui montres le message du coup? Non, s'il me dit qu'il m'a pas envoyé de message, c'est que c'est pas lui. Mais non, je ne me rappelle pas vous avoir déjà interpellé par message. Ainsi, il y aurait quelqu'un qui se prendrait aussi pour Dominique Starango. Décidément. Je ne suis pas vrai, je ne suis vraiment pas d'humeur à ça. Ok. Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est quoi cette histoire sur Arkil, le chef de l'ordre de Solar? C'est vrai, c'est un. Comment se fait-il que c'est un démon qu'on l'apprenne que maintenant? Comment est-ce qu'un démon a pu avoir une aussi haute poste sur un dieu pareil que Solar? Oh. Eh bien, je vous remercie de me renseigner de ceci, car l'information n'avait pas été jusqu'à moi. Mais je suis content de savoir que cet individu qui avait tendance à être à deux endroits en même temps puisse enfin être reconnu comme étant suffisamment bizarre pour être reconnu démon. Deux endroits en même temps. Oui. Comment voulez-vous expliquer qu'un individu puisse à la fois maintenir une garde à Néline Laurent tout en étant au Flamelin? Comme information qui serait au niveau du dragon là actuellement. Il paraît qu'il est en fuite. Qu'est-ce qu'il fuit? Eh bien, si jamais on découvre en particulier qu'il est en lien avec l'une des sorcières de l'île des démons, je pense qu'il va avoir chaud aux fesses. Ouais, mais. Non. Est-ce qu'il y a un conclave où il est censé apparaître au flamand, il y sera ou pas? Non, il n'y sera pas si vous me dites qu'il est au dragon là. Et qu'on vous a dit qu'il a fui. Ça veut dire qu'il a enfin abaissé son masque. Et que forcément il n'y sera pas à Flamelin. Et je pense qu'on ne le reverra pas. Du moins. Pas en tant que tel. Ok. Sinon, j'aurais voulu des informations sur. Et là, je vais donner les noms que m'ont donné. Que m'ont donné Morxan. Ok. Bien. Eh bien, je vous dirais que. Qui ceci? Alors attends, je me remets les infos sous les yeux tant que j'y suis. Qui ceci est un prêtre qui propose la voie du noir sceau, propose d'accepter la mort, et pourquoi pas que toute mort serve à la cause du noir sceau. Mais c'est non seulement un individu fanatique et étrange, mais si vous me dites qu'il est en conflit avec un certain frère Toden, qui est un même prêtre au niveau de l'Inno Laurent, alors cela veut dire qu'ils ont un objectif commun. Sans doute un projet de faire tomber les autres cultes. Car
Dans le coin, personne ne soupçonnerait un culte de vouloir dominer les autres. Ici, nous parlons plus de commerce et de marchandises. Peu d'entre nous se soucient des cultes, au final. Mais il te Je regarde dans les comprends. yeux et il te dira, les gens d'ici, beaucoup d'entre eux sont tout aussi pauvres que dans le reste du royaume. Et dans ces guerres commerciales et de culte, nous devons agir pour que nos pauvres amis ne soient pas la chair à canon qui leur sert dans leur guerre. Vois-je. Est-ce qu'il y a d'autres informations par rapport à eux contre Rectan, l'alliance avec Lorarven, d'autres informations de l'espion envoyé chez Tempest Fulgur? Non, je n'ai pas de. En fait, je me rappelle plus. Mais non, je n'ai pas d'autres nouvelles. Mais il me semble que, d'après les dernières informations, tout l'ensemble de la côte, tous les marchands de la côte ont décidé de se faire la guerre en même temps. Toutes les grandes familles marchandes se font la guerre en même temps. Ce qui est largement étrange, on croirait que qu'il est temps pour eux de d'avoir le pouvoir. Mais pourquoi maintenant? Pour quelle raison? Surtout que, imaginez, vous n'êtes certainement pas d'ici, je ne vous connais pas comme étant d'ici. Mais Dragandin est aussi une zone qui est surveillée par le Ragaron. Imaginez si ça arrivait aux oreilles du royaume du sud, du royaume de Dolgen II, s'ils apprenaient que ici nous étions fragilisés par des guerres aussi basses et aussi intestines que celle-ci. Ils n'hésiteraient pas une seule seconde pour nous envahir. Et encore une fois, ce seront les pauvres qui paieront cher la note. Et sur ce, il t'offre une bonne liqueur d'alcool fort, hein, qui te donne gratos. Tu m'as entendu? Je vois, mais oui, merci pour le cadeau. Mais avant que je parte, parce que je ne suis vraiment pas d'humeur, quel est ton vrai nom? Je m'appelle Tico. Je vais te l'écrire parce que. Non, mais je. Au pire, je m'en fiche, hein. C'est juste. Ou bien. Ne te fais plus passer pour Domine Starongo à un autre membre à l'avenir. Sinon quoi? Je suis si proche de la mort. Pourquoi aurais-je peur de me faire appeler Dominus Tarongo? Après tout, je pourrais partir avec un minimum d'honneur. Un minimum d'honneur, c'est ça. Et si un ennemi de la guilde s'infiltrait ou t'avait demandé, parce qu'on n'en a pas, si tu te fais avoir comme Domi Sango, si tu te fais passer pour Domi Sango, que tu te fais arrêter, tu penses que ce sera bon pour nous?
que le temps que l'information circule, que tous les agents apprennent que 2000 Starongo s'étaient capturés par un ennemi. Alors arrête tes idioties. Ton honneur ne vaut pas la sécurité de la guilde. Ouais. Pour te faire plaisir, je vais faire un effort. Ne va pas confondre honneur et gloire. La gloire, ça, n'est pas pour nous. Et sur ce, Elendir s'en va. Ok. Tu rejoins les autres, du coup? Oui. On est reparti. Par contre, il y a pas mal de choses que je vais t'essayer de dire parce que je sais pas trop. D'accord, pas de soucis. On est reparti. Je vais préparer un protection contre le mal et le bien. Oula. Le sanctuaire, je sais pas si je le prépare ou pas. Direct, tu t'attends au pire, quoi. Tu prépares direct un sort bien et mal. Tu vas me dire, oui, effectivement, c'est un petit peu dans l'ambiance. Juste pour savoir, au moment où j'étais, où Elendir était parti, quelle la nuit, là, vous étiez en train de vous coucher? Oui. Je crois même qu'ils étaient en train de dormir. Bah, du coup, vous avez commencé à dormir. Bah, du coup, oui. Bah, pas vous, Elendir ne va interrompre personne. Donc je pense que vous allez vous retrouver au matin. Oui. Donc vous vous levez le petit matin, vous entendez les petits oiseaux. Visiblement, pas de tremblement de terre, donc tout va bien. Les volcans n'ont pas décidé de s'effaroucher. Et vous vous retrouvez au petit-déj avec Malariel qui, à son habitude, est venu amener ses frugalités pour déjeuner avec vous. Okay. J'imagine que Dirando et Morson auront été faire leur prière. Je suis seul à entendre Claude devenir saccadée. Vous m'entendez de façon saccadée? Non, moi ça va là. Ouais, ça va. Toi, je t'entends un peu de manière saccadée sur ce que tu viens de dire. Ah. Bah pourtant j'ai 3 barres. Là, c'est mieux. Ouais. C'est peut-être Discord qui a décidé de... qui a décidé de nuire à la partie. Bref, Malariel, du coup, à la table, eh bien, mes amis, avez-vous bien dormi? Oui. Non. Et vous? Oh. J'ai entendu quelques bruits venir vers l'auberge assez tard dans la nuit, mais... mais ceci dit, aucun problème. Très bien dormi. On dort très bien dans les... dans ces endroits. Est-ce que nous avons de nouvelles informations ce matin? Avant que nos chers amis de Solar se réveillent? Alors moi personnellement j'aurais fait ma prière avant d'aller manger de toute façon. Yes. Donc j'ai préparé ma liste de sorts. Ah oh, j'avais zappé ça, protection contre le mal et bien te consume sa composante matérielle. Ouais, mais c'est pour ça que c'est bien d'avoir un focalisateur. Ouais. De toute façon, de façon globale, c'est bien d'avoir un focalisateur. Ouais, enfin je suis en train de regarder tous les trucs qu'il va falloir que j'achète pour pouvoir jeter mes sorts. J'ai pas assez de thunes, MJ. Ah oui, c'est vrai qu'on avait parlé qu'il fallait que je vous donne des thunes à un moment donné. Ça serait pas mal parce que je suis en train de regarder. Alors, hormis le diamant de 300 pièces d'or que j'ai volé au temple de Solar, entre guillemets, pour ressusciter Morxan, enfin pour revigorer Morxan,
Ouais, non, il y a pas mal de mes sorts où je vais avoir besoin de thunes pour acheter du matos, quoi. Ok. Eh bien. On verra plus tard. Oui, non, mais je suis en train de réfléchir au depuis combien de temps que. Alors, je pense que toi, Dirando, t'auras pas de salaire, mais par contre, je pense que notre cher Morxon, normalement, devrait en avoir un. On verra ça lorsque je rentrerai enfin dans un temple de mon ordre. C'est ça, c'est-à-dire dans pas Oui, longtemps. surtout des discussions à avoir, toi, avec ton ordre aussi. Oui, c'est ça. En fait, j'en avais déjà eu le début d'une, ça avait été interrompu après par le duel. Et puis, c'est aussi pour ça que j'ai accepté d'aller à Flamelin aussi rapidement, parce que bah, Flamelin, c'est aussi un des centres de mon ordre, et c'est là que j'ai été formé, donc. C'est là où tu as le plus gros temple de ton culte. Bon, bah voilà. Terre d'identité. Le Donc grand voilà, c'est. souk Non, qui j'avais déjà discuté avec eux vis-à-vis du fait qu'un de leurs paladins m'avait attaqué. J'en avais déjà parlé avec eux. veux dire un de nos paladins, étant donné que tu en es aussi un, je te rappelle. Oui, mais un paladin de mon ordre qui m'avait attaqué, ça leur en avait déjà parlé. Et il m'avait déjà dit, bah en fait, il aurait pas dû. C'est ça. Est-ce que vous vous parlez le matin ou du coup, est-ce que vous donnez des infos ou pas? Eu plus d'infos, donc le seul qui pourrait avoir des infos, c'est Elendir, si j'ai bien compris. Nous, on a dormi. Est-ce qu'il vous rejoint à table d'ailleurs? Oui. Il y a de grandes chances en fait quand ils vont se préparer pour aller manger, en fait, Elendir et vient de finir. Du coup j'ai quelques informations, mais Tu veux que je les dise? vu que j'ai un peu la tête dans le cul, j'ai pas forcément envie de devoir essayer de me gérer, enfin bah, si vous voulez, Il n'y a pas de ça me souci. dérange pas. Il n'y a pas de souci. Alors, tu as eu l'information comme quoi si putain, j'ai oublié son nom. Si Arkil est parti au large du Grand Melun, du Dragonlin, c'est que ça pouvait justifier le fait qu'il puisse être à deux endroits en même temps. C'est-à-dire que tu as eu l'information selon laquelle on pouvait voir Arkil à la fois au Flamelin et à la fois à Nilénoran, à de très proches très proches au niveau du temps, voilà, faut dire c'est comme ça. Et que s'il est parti au large du Dragon de Lin, c'est sans doute parce qu'il est parti au niveau de l'île des démons, rejoindre les siens, c'est-à-dire les autres démons. Donc ce qui justifierait que non seulement on puisse dire de lui que c'est un démon, et que vous pouvez vous douter que quand vous serez au Flamelin, il y aura un absent. Arkil. On verra quand on le sera. C'est pas au Flamelin, c'est à Flamelin, c'est lui. Et ça simplifiera notre travail, après tout. Si l'accusé n'est pas là. Si l'accusateur n'est pas Oui, là. si l'accusateur n'est pas là, ça règle pas mal de. Je te rappelle que l'accusé, ça reste moi. Désolé, là-dessus. Et en ce qui concerne Kusozil et le frère Todin. Il s'agit de deux prêtres fanatiques du Noirceau. L'un, Kusozil, qui du coup officie du côté du Flamelin, et l'autre, du coup, Anilin-Oloran, et qui visiblement sont partis dans une chasse aux objets magiques. Je crois que c'est moi qui vais perdre le fil de mon truc.
et du coup se font la guerre pour se servir du noirceau pour leur propre intérêt. Et l'inquiétude D'accord. qu'en avait le contact auquel Elendir en a parlé, c'est que sur l'ensemble de l'espace côtier, l'ensemble des villes, en termes de guildes marchandes, se font la guerre et fragilisent la partie sud du territoire, en particulier entre Nil-Noloran et Drogon-Lin, qui est très observé par le Ragaron, et à force d'avoir des guerres intestines qui se rajoutent en plus aux guerres de religion, pourrait donner une raison au Ragaron d'envahir Alarion, et en particulier le Grand Lin. Ouais. Donc si je comprends bien, il y a en plus des problèmes qu'on a actuellement, il y a une guerre interne dans l'ordre du morceau, entre Toden et Exosil, Yes. et des guerres de marchands qui se foutent sur la gueule à cause de tout le bordel qui est généré par ça. Sachant que, alors j'extrapole un peu, mais je considère que je peux, vu que j'en ai parlé aussi avec le contact, c'est certainement que le Harkil, si c'est vraiment un démon, ça voudrait dire qu'il en a profité pour rajouter au bordel. D'accord, ok. Eh bien, purée. Des objets magiques, du coup, je m'adresse directement à Lendir. Parce que je suppose que c'est Lendir qui nous a transmis toutes ces informations-là. Yes. Oui. Ces objets magiques qu'il récupère. Est-ce que vous savez où est-ce qu'ils sont entreposés, s'ils sont entreposés quelque part en particulier? Non, ils n'ont pas. Il n'en a pas parlé. D'accord. Parce que vu qu'on n'a aucune influence sur eux, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait en avoir. Un des moyens les plus simples de faire arrêter les combats, parce que je ne m'estime pas assez bon orateur pour pouvoir juste les persuader d'arrêter les combats juste en allant les voir, ce serait de leur retirer leurs armes, entre guillemets. Ce sont toujours des armes standards, mais ça devrait réduire de leur capacité à faire du chaos autour d'eux. Non? Alors pour le coup, les autres peuvent en parler, Madou, du coup, s'ils veulent répondre. Ils sont tous endormis là. Peut-être qu'il faudrait envisager de... Comment dire? Se débarrasser de toute cette frange politicienne qui ne cherche que leur propre profit. C'est-à-dire, débarrasser. C'est juste une façon plus sympa de le dire pour ménager mon ma sensibilité ou... Se contenter de leur retirer leur pouvoir, au moins sur les hommes. Plus simple à dire qu'à faire. Je pense, mon cher Marson, que vous doutez de ton éloquence. Bah, disons que ce serait un peu prétentieux de ma part qui arrive avec une délégation de Solar de venir faire la leçon à un temple du Hade à des membres de l'ordre du Verseau, non?
Faire la leçon à des membres, ça dépend desquels. À ceux qui sont à la tête, pas forcément. Essayer par contre de... Quel est le terme? Rallier les brebis égarées. Qui leur obéissent. Cela serait plus judicieux. Ces hommes n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. Et Malariel dira je pense qu'effectivement ces individus, on leur a donné du pouvoir grâce à vos cultes. Et je pense qu'il serait bon de leur rappeler que le culte... Ça n'a rien à voir avec le culte, je vous prie. Oui, mais il faudra quand même faire comprendre à ces individus que aucun culte ne justifie une guerre de religion, surtout aussi proche du Ragaron. Et surtout en interne. Et si un démon a réussi à nuire au culte de Solar, alors peut-être que un démon est peut-être à l'œuvre aussi dans le culte du Noirceau. Peut-être est-ce une attaque démoniaque. Morsan, vous qui êtes de ces terres, que pouvez-vous nous dire sur l'île du démon? Sur l'île des démons. Je suis sûr que Morsan va me dire. Est-ce que MJ, j'ai des informations? Ouais, c'est ça, c'est LJ. Est-ce que j'ai des informations particulières? Tu vas me faire un jet d'histoire. Enfin, est-ce que t'as mieux entre arcane, histoire ou religion? Est-ce que t'as mieux? Bah, on va prendre l'histoire. Hein. Vas-y. Oh, t'as fait combien? J'ai un plus un. Joli. Ah oui, joli. C'est une compétence d'intelligence et j'ai un plus un. Waouh. Ouais, t'as mis ta maîtrise, quoi. Oui. Et c'est fabuleux, là. C'est grandiose, là. Faire un 14 en histoire, pour manque sens, c'est juste un truc que je m'attendais pas à devoir répondre à la question. Donc, effectivement, c'est l'une des histoires qui t'a le plus intéressé, voire peut-être la seule, où on t'a parlé de l'île des démons, qui, visiblement, est aussi un lieu accepté d'Alarion, comme étant un portail vers les plans démoniaques, et bien entendu, dirigé par... ce qu'on pourrait appeler des pseudo-démons, c'est-à-dire des individus qui sont des fois démoniaques, des fois engendrés par les démons. Et je ne parle pas de Tiflin, hein. Je parle bien de choses bien pires. D'accord. Et okay, a priori, alors, je vais juste te donner une information, je vais juste me la remettre sous les yeux, si je la retrouve une bonne fois pour toutes. Et ce genre de ça, c'est genre les légendes, c'est genre on dit ceux qui vivent sur l'île des démons, c'est des démons et tout, ou c'est il y a des preuves plutôt solides qui tendent à appuyer ça? Il y a des preuves solides qui disent ça. En fait, là où les histoires divergent, c'est sur l'importance des démons qu'il y a là-bas et sur le nombre et la puissance qu'ils ont, c'est ça? Et normalement. Que je retrouve son nom parce que elle a il y a une personne qui est censée, voilà, c'est ça. Normalement, il y a une gouverneure qui est une sorcière à tendance démoniaque qui est censée s'occuper des liens entre Alarion et cette île et qui est censée du coup avoir un lien pacifique entre les deux. Elle s'appelle Vézela. Alors, je l'écris aussi. Et là, par contre, c'est important. D'accord, c'est une sorte de diplomate, en fait. C'est ça.
C'est censé être Ouais. une diplomate, mais avec, on va dire que, comme on le dit, quand on t'a formé, personne ne connaît l'agenda précis de Madame la gouverneuse Vézela. Ok, d'accord. J'ai l'impression que c'est un peu dans tout le monde, dans notre train d'Espagne en ce moment, ils ont tous leur agenda secret, en Donc, plus d'un rôle explicite. D'accord, ok. t'es en train de me dire qu'au sud du Grand Melun, vous avez une relation plus ou moins pacifique avec une île pleine de portails démoniaques. Avec un portail démoniaque et pas des moindres. Ah, un portail démoniaque, c'est déjà trop. Vous n'avez pas envisagé que ça allait vous exploser à la gueule? Je n'ai jamais été consulté pour cette décision-là. Donc, Non, mais enfin, ça me paraît aberrant, surtout que si j'ai bien compris les informations, c'est proche d'une de vos villes, comme d'un de vos ports commerciaux. oui, mais comme je te dis, c'est à mon avis, c'est justement parce que c'est proche d'un de nos ports commerciaux que ça, ils ont voulu éviter une des combats trop longs, coûteux en hommes et en matériel sur le moment. Je pense que ça va être lié à ça. Laisser les démons avec une porte ouverte sur leur plan et pouvoir tranquillement préparer une armée qui pourra arriver sans aucun problème sur vos côtes est sûrement une meilleure solution. Surtout Je n'ai pas dit que. que c'était. Je n'ai pas dit que c'était une explication sensée. J'ai dit que c'était une explication. Et surtout Et au moins, ça que permet de savoir. Guirando et Morson, vous le savez plus ou moins, mais vous savez en histoire, mais c'est assez facile de le savoir, c'est que le Grand Melun et le Ragaron se sont particulièrement fait la guerre, se sont particulièrement fait sécher beaucoup de soldats, et bien sûre que sur l'île du démon, en ayant vu ça, on s'est frotté les mains en se disant bah, entretuez-vous et nous on va attendre que ça soit fini. Oui, non, mais on est bien d'accord, on parle de bestioles qui ont des espérances de vie supérieures à une dizaine de vies humaines. Oh putain. Et au moins, ça explique, ça donne une explication cohérente à pourquoi est-ce que Harkil est un démon et comment est-ce qu'il est arrivé là. Ouais, non, mais. Et l'accord qui a été passé avec l'île des démons date de Medzin, c'est-à-dire le premier roi d'Alarian. Donc c'est le roi qui avait fait ces décisions-là. Ouais. Ah ouais. Ah oui, ça date. Que depuis, il y a quoi? Il y a une dizaine de rois, je crois, non? Alors, je ne sais plus. Je crois qu'il y en a 3 ou 4, ouais. Je suis pas sûr qu'il y en a autant que ça. Fait déjà. Ça fait un petit siècle, quoi. Attends, Mais bon, je suis d'accord avec toi, surtout vu. Je suis d'accord avec toi, surtout si les démons en sont au point de prendre pour mais non, pas si entre longtemps. guillemets de prendre le contrôle de certaines grandes religions. Je pense qu'il va devenir critique de les arrêter. Oh putain. Tout comme tu sais que, entre guillemets, les religions sont encore faibles, étant donné que la présence des dieux vient à peine de revenir. Ouais. Bon, alors. Ça dure combien de temps ce soir? Putain que 10 minutes. Merde. Donc vous êtes en l'an 10, donc ça va faire ouais, 90 ans à peu près. On verra déjà ce qu'on va trouver à Flamelin, mais. Je vais pouvoir le faire que pendant une heure. Mais toi, tu parlais Intensive. de descendre vers le sud aussi. Ouais, il y a a priori des tensions avec le Régaron qui commencent à s'intensifier à la frontière. C'est Et il ça. semblerait que l'escalade des escarmouches soit de notre fait. Du fait du Gramelin. Donc c'est pour ça que.
Je voulais aller enquêter sur ça aussi. Est-ce que tout le monde au Gremlin ne pense qu'à faire la guerre? Ou à la préparer? Je dois admettre que je n'y avais pas spécialement réfléchi jusqu'à présent, vu que ça ne me concernait pas tant que ça, mais maintenant que j'entends parler, ça... J'ai l'impression qu'il y a un thème récurrent, en effet. Dit comme ça, mec. Désolé, hein, je n'ai croisé que deux personnes venant du Gremlin à la base. Je n'ai parlé avec véritablement qu'avec deux personnes, enfin une troisième avec Gerv, mais ce n'est pas aussi une très bonne référence. Oui, personnellement, vous pensez tous à faire la guerre. Sauver des vies, ça vous dit pas? Probablement lié à notre passé de... un peu tendu avec le Ragaron. Oui, que vous soyez une zone frontière faite pour protéger du Ragaron. Nous aussi, on est une zone frontière faite pour protéger du Ragaron au Smithin, et on ne pense pas qu'à faire la guerre. On a d'autres choses à régler. Si vous voulez me dire que vous essayez de faire la paix avec votre gouverneur actuel. Avec le fantoche du roi non, mais ça, c'est différent. C'est un incompétent qui est mis là pour prendre des décisions qu'il n'est pas capable de prendre en ne connaissant pas les terres. C'est pas la même chose. Je n'en sais rien de pourquoi les choses ont dégénéré comme ça au Gremlin. Comme je te l'ai dit, je n'y prêtais pas spécialement d'intérêt avant. Mais nous, tu vois, au moins on ne cherche pas à faire la guerre avec d'autres pays. On s'occupe d'abord de nos problèmes en interne. Non, mais je suis d'accord. Et je... Bah, je pense que du coup, pendant que toi tu régleras tes... les problèmes en interne avec Arkil, je profiterai de... mon ordre. Je demanderai peut-être à mon ordre quelques explications vis-à-vis des tensions actuelles chez les marchands et pourquoi est-ce qu'ils ne font rien pour les régler. Vu que le rôle c'est de protéger des marchands, je ne vois pas en quoi une guerre entre des marchands va dans le sens de leur rôle. Je pense en effet que tu pourras poser des questions à ton ordre là-dessus. Petite question, Claude Orgeux. Ouais. L'ordre de Morsan, est-ce qu'il appartient au Noirceau ou au Lindo? C'est plus un culte, plutôt du Lindo déjà, c'est plus orienté Lindo, mais ça n'empêche que c'est aussi un culte purement marchand, puisque quand tu vois les principes... Et peut-être que ton ordre a aussi quelques soucis à régler avec le Noirceau. Oui, peut-être qu'ils auront de l'influence pour aider à... De l'influence ou des soucis? Je ne crois pas que ton ordre fasse partie du Noirceau. Tout comme le mien. Et donc du coup, je comprends. On verra ça lorsqu'on sera arrivé. Oui. Tu voudrais que je vienne tout de suite, que je t'accompagne pour... ton entrée dans... toi, je sois avec toi dès le début des audiences ou... Je commence par aller régler les trucs à mon temple avant de te rejoindre. Je pense qu'il est préférable que tu sois là au début du conclave, en effet. Et que nous puissions... Enfin, que je puisse rapidement te faire témoigner afin que tu puisses aller... prendre ton temps avec ton ordre. Je crois que tu as beaucoup de choses à y faire. Très bien. Merci pour ces informations, Yannir. C'est inestimable. C'est pas rassurant du tout. Non, mais merci quand même de toutes ces informations. Parce que sans ça, on aurait pu prendre des décisions pas forcément adaptées à la réalité. Oui. Bon. Et c'est là où je pense qu'on n'ait plus Tempest avec nous. Au moins lui, c'était un officier. Il est pas loin.
Maintenant, la question, qu'est-ce qu'on fait? Bah, de toute façon, nous devons aller au conclave et Morsan aller voir son ordre. Et je pense qu'il va falloir faire de telle sorte à destituer Arkil et à se préparer à deux ou trois guerres dans le Grand Melun. J'ai tellement envie de vous mettre un cliffhanger maintenant. Vu qu'en plus on joue la semaine prochaine pour ceux qui seront là. Jouer la semaine prochaine? Ouais, je crois. C'est ça dans le calendrier ou alors c'est moi qui suis encore. Oui. Si vous êtes dispo. Écoute, le 9, c'est ça? Ouais. Ouais, moi je suis dispo. Je crois que Malariel a dit qu'elle pouvait pas, elle. Ouais, Bah, alors, bah juste moi de ce que j'ai compris, est-ce que Eric continue, c'est ça Si elle va continuer, mais tous les étés, elle aime bien faire son été à partir avec les copains un petit peu quand ça leur prend. Donc, elle a pas envie de se prendre la tête avec le jeu de rôle. Donc, elle a dit pendant l'été, je me fais pas chier avec le jeu de rôle. Si je dois partir, je pars. Donc, elle m'a donné les rênes de Malariel jusqu'au mois de septembre. D'accord. Bah, du coup, oui, pour moi, ça devrait aller aussi. LNDR, du coup. Oui, aussi. Parfait. Comme ça, on ferait. Bon, bah, on se retrouve vendredi prochain pour. Ouais. Parce que Oui. j'ai pas trop envie de vous embrouiller avec l'entrée du. Dans Flamelin tout de suite parce que du coup il y a encore un bon truc à mâcher mais après ça ira mieux. Bon. Alors En fait, c'est merde. Hein. ah Ouais, vous les rentrez dans gens. l'acte vous rentrez dans l'acte 2 donc du cadre de campagne ça va commencer à devenir plus complexe. Vous comprenez mieux l'inquiétude maintenant de Hamon quand il disait que le sud était largement fragilisé. Ouais, alors du coup, les grandes questions que j'ai à son propos, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait plus pour essayer de le soutenir et pourquoi est-ce qu'il a envoyé juste trois pécores? Parce qu'à la base, dans les trois pécores, tu avais un officier de l'armée, un paladin d'un ordre et un prêtre d'un des ordres aussi important du secteur. Ouais, il aurait pu nous donner un peu plus de soutien aussi, quand même, c'est. À la base, on était quatre, hein. C'est vrai, Il y c'est avait vrai. le barde. C'est vrai, on a perdu du. était juste Des morts envoyé pour, on était juste envoyé pour trouver des informations par rapport à la bague que tu avais C'est vrai qu'à la récupérée. base, c'était juste le truc. Voilà. Après, on est un petit peu parti dans tous les sens. Un peu. En allant vers le sud, ouais. À un moment donné, il y a eu un pétage de Et ça, truc. c'est qui appuyait sur le bouton rouge, hein? Quoi, je sens que Dirando ne va jamais remonter à Neva. Parce qu'il y a trop de choses à régler dans le sud. Ah bah Ah, mais là, clairement, là je pense qu'on n'allait pas remonter tout de suite. c'est la première ligne, je pense que le point le plus au nord. En fait, là, Nidoloran et Flamelin, c'est la ligne la plus au nord où ils vont aller. Il n'y a pas plus haut. C'est vrai, Enfin, c'est c'est vrai. maintenant. Alors, si, peut-être un peu plus haut, mais plus à l'ouest. Tu veux Parce que moi, je dire vais retourner dans le Smithil quand même, j'ai des choses à y régler. T'as pas besoin de monter beaucoup plus haut parce que t'as juste à partir. Ah si, bah, pour prendre le bateau, tu vas aller jusqu'à. Faut que je monte. Non, Ça. pour prendre le bateau, je passe pas par, je passe pas par le golfe de Smithil. Je suis pas suicidaire. T'as envie de te faire un kraken? Ouais, Moi. sinon tu peux passer par la Garonne, c'est assez proche. Ouais, ou sinon, tu sais quoi? On tourne un rang et j'essaie de repasser par le miroir. Oh, ça Ou pourrait être par drôle. contre,
Dans ces cas-là, je te préviens, on monte quelques niveaux, et étant donné là où on arrive tout de suite sur un fight. Ça pourrait être très drôle. Parce que là, on monte quelques niveaux, on arrive avec nos deux persos en armure, et éventuellement Malariel et Lundir s'ils veulent venir avec nous. Parce que, surtout que j'ai un peu du coup le nouvel archétype fait que Lundir... parce que... comment dire, j'avais la création du personnage, j'avais pris cet archétype en me disant « Oh lol, c'est un rôle !» Mais comme si on perdait le personnage des 5, c'est pas un archétype ouf. Et je suis pas très fan, du coup j'ai pris un des nouveaux qui est sorti et c'est mieux. J'avais pris quel archétype à la base ? Voleur. Dis-toi une chose drôle, Elendir, c'est que le miroir qu'on a pris pour partir de Nelinoran, il nous a emmené directement dans la demeure du gouverneur de Smithil. Le gouverneur, dont Direndo, est un farouche détracteur. C'est normal. Oui, mais autant dire que ça a été assez drôle. Autant dire que je l'ai bien envoyé chier tout en douceur. Et moi, j'étais à côté, je me disais, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, si on arrive là-bas, si on ressort et qu'on arrive au milieu, ah oui, ce cher gouverneur est la troisième personne à avoir mis une prime sur nos têtes. Donc si on arrive là-bas, littéralement, on arrive en pleine zone hostile. Et potentiellement, ça veut dire fight dès la sortie du miroir. Je pense que ça peut vite dégénérer, ouais. Effectivement. Ouais, j'espère que vous voyez quelques rêves. Honnêtement, il faut que je fasse mon sarment, mais je sens que je vais pas pouvoir à la prochaine séance, c'est le premier jour de RPFR. Bah là, c'est clair, on est en pleine séance, on est en pleine scène ERP, t'as pu savoir. Ouais, je sais. Mais en fait, le truc, c'est que bah, moi, mon sarment, c'est qu'il y a quand même quelques 2-3 petits trucs à régler avant, donc. T'as été voir ta demoiselle. Oui, ça, j'ai mis les choses au clair avec elle. Voilà. Mais bon, on va dire. C'était potentiellement le truc que je... On va dire, d'un point de vue de gravité générale, c'était peut-être le truc le moins... le plus bas. Ouais. Quoi, tu dis ça? On s'est juste aperçu que dans le grand main, c'était le bordel. Et que du coup... Oh putain, ouais. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'à un moment, il va y avoir une méga baston avec le Gremlin, les démons et Ragar. Genre le Ragaron qui tente d'envers le Gremlin et les démons qui profitent du bordel pour tenter de dégommer les deux. Ouais, et tu sais là où ça va être très drôle ? C'est que dans ce coup-là, entre guillemets, si on se démerde mal, t'as Smithin qui va pas venir donner un coup de main parce qu'ils ont d'autres choses à gérer. Et le Yelin qui va juste se frotter les mains en se disant « Bon, quand est-ce qu'on va bouffer le Gremlin parce qu'il a merdé en défense ?» C'est pas faux. Voilà, tu la vois la zone politique bordélique dans laquelle on est. En fait, on va pouvoir voir la bataille des 5 armées. Gremlin, Yelin, Smithin. En fait, ouais, là, j'aimerais... Ça va être du 3 contre 2, ça va être du 1 contre 1 contre 1 contre 1 contre 1. J'aimerais bien avoir la Smithin compte pas. J'aimerais bien avoir votre théorie sur le fait que Arkil voulait ce miroir. Non, il n'y a pas besoin de théorie. Il y a un truc qui est capable de faire de la téléportation. Tu n'as pas besoin de théorie, malheureusement. Putain, saloperie. Parce que il l'avait prévu avec lui ? Non. Non, il l'avait laissé en miroir. Fait, avant que le miroir soit détruit. Ouais. Gerv m'a dit en fait que Arkil a passé pas mal de temps seul avec le miroir, a priori, pour essayer d'en maîtriser la puissance. Je te rappelle quel est le pouvoir de ce miroir ? Oui, t'inquiète pas, ça va. Bon. Est-ce qu'on pourrait pas aller encore plus loin et dire qu'en fait ce serait lui qui aurait demandé aux orques de le voler ? Ah non, je pensais le voler pour en fait qu'il puisse l'étudier plus en détail, plus longtemps, personnellement. Sans avoir à affronter les gardes. Je suis
pas sûr, parce que avec la position politique qu'il avait, il pouvait tranquillement, entre guillemets, je te dirais presque, le faire transférer dans sa demeure. Par contre, il est possible que, entre guillemets, les orques aient été envoyés par quelqu'un d'autre pour l'empêcher d'agir. Oui, c'est pas parce que les bons sont pas capables de s'entendre entre eux que les mauvais, eux, s'entendent entre eux. Au contraire. À mon avis, t'as raison, mais par rapport à la personne qui l'a envoyé, pour moi, c'est Rectal. Je crains que ce soit entre guillemets, l'association Rectal, parce que si j'ai mal compris, Rectal n'est pas qu'une seule personne. Oui. Mais ça, c'est une information que nos personnages n'ont pas, de mémoire. Par contre, une information que Elendir peut donner en même temps que Malariel, mais je pense que c'est Malariel qui le dira, parce que c'est Malariel qui l'a vécu un plus, c'est que ils ont été attaqués quand ils étaient à Gamor, au-dessus de Neva. Ils ont été attaqués par des Dredged. Donc des démons. Parce que par rapport à... Ah non, l'information qu'on a vue, c'était que la bague servait de symbole pour reconnaître les passeurs. Et je crois donc, aussi, je crois aussi qu'un certain Dirt Ando, mais du coup là t'auras pas l'information, mais que lui s'est fait attaquer par une araignée contrôlée bizarrement. Oui, non, mais Dirt Ando, il a des informations à plus savoir qu'en faire, mais il les donne au Congo. C'est normal. Si vous saviez, alors. Pour vous dire, Dirt Ando, je pense, est le seul personnage du groupe qui a fait vos petites histoires avec Rectan, c'est mignon, mais fuck, il y a quelque chose de beaucoup plus important qui se prépare. Et moi, je vais m'occuper du beaucoup plus important. Parce que là, vos petits détails de histoire personnelle, de trafic, démerdez-vous. Je sais pas s'il est déjà, entre guillemets, en train de préparer l'acte 3, mais ça serait pas déconnant. Je crois qu'il va se passer quelque chose de très bien entre Dirt et Catchige. Ça va être très très intéressant. Et Catchige, ils s'entendent bien. Oui. Il manquera un troisième larron. Je ne sais pas encore qui vous allez chercher sur les tables pour faire le troisième larron. Mais quelque chose me dit qu'il y aura un bon trio à faire. Ouais. Peut-être un trotteur. Même la ronde, je suis pas sûr que ce soit nécessaire, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Et dans ces cas-là, j'ai une idée à la con, mais tu vas avoir un groupe de malades en face. Pour un troisième larron, j'ai vraiment une idée à la con. Qui ça? Un tiefling. Ah oui. Ah oui, bah oui, bah lui, oui, forcément. Ouais. Mais alors là, t'as vraiment un groupe de malades. Ah, parce que t'as un sorcier, un sorceleur, un magicien. Ouais, ça fait une bonne team. Ça fait une bonne team. Il y a une personne qui arrive en phase 2, anti-magie. Bah rigole pas, mais justement avec cette combo-là, même un anti-magie, on le gère. Contre sort. Le contre-sort, tu ne peux le faire que sur des sorts d'un certain niveau. De toute façon, je crois que Dirt et Kashi... Je crois que Dirt sait déjà ce qu'il va affronter, je crois, là où il va, non? Non, à la base, j'ai pas prévu de les affronter, j'ai prévu de négocier avec eux. D'accord. Si possible, sans leur donner mon sang. D'accord. Non, moi j'ai prévu d'essayer de négocier avec les vampires. Voilà, c'est juste pour que les autres comprennent à quoi tu t'attaques. Je vais juste aller voir une famille de vampires. Il y a des... Ah oui, tu vas voir une famille de vampires, ils sont bien là. Une des plus vieilles familles d'Alariel. C'est la campagne que je suis en train de faire là au niveau 10. On en défonce à l'appel du vampire. Ouais, niveau 10. Niveau 5, c'est un petit peu plus délicat. Mais déjà niveau 10, en tuer à la masse, c'est déjà bien. Ouais, wow. Après, disons qu'on est un peu des brutes. Voilà, le vampire, c'est pas ce qu'il y a de plus dur à tuer.
Par contre, quand t'as un vampire avec des niveaux de classe, là, tu commences à déguster. Ouais. Parce que personnellement, bon, alors c'était en DD3.5, mais en DD3.5, les vampires avaient une classe spécifique, qui était une classe de prestige, où il fallait forcément être un vampire pour la faire. Et qui faisait qu'en fait c'était une classe de jeteur de sorts. Non mais oui. C'est leur sort. Oui. Enfin, alors si tu compares, si tu veux comparer les choses, le vampire de DD3.5 est beaucoup plus puissant que le vampire actuel. Alors le vampire de DD5 ou de Pathfinder? Même pas. Je crois que Pathfinder il est un peu moins, mais il est quand même plus que dans DD5. Hein. Voilà, mais dans DD5, le problème, c'est que tes monstres ne sont pas évolutifs. Et que l'intérêt d'un vampire, en fait, l'intérêt des morts-vivants intelligents, c'est de leur donner des niveaux de classe derrière. Oui, non, mais je sais, mais de toute façon, à la base, le vampire, ça avait des niveaux... C'est... DD3.5 avait les... Avait des de race, en fait. Tout comme un nain avait tel caractère racial, le vampire avait les siennes. Que tu compares les deux, la race vampire, en gros, en tant que race, un personnage vampire a un ajustement de niveau de 6. C'était c'est pas pour rien. C'était ah non, c'est 6. Non, c'est 6. D'accord. Oui, bah déjà, le fait, rien que l'ajout de l'archétype mort-vivant, la diminution du... Comment ça s'appelle ? L'immunité à pas mal de sorts en tant que mort-vivant, rien que l'ajout d'archétype mort-vivant, déjà ça te rend un personnage brutal. Non, mais il y avait que ça. Oui, comment dire, attends, j'ai essayé de le retrouver, hein, mais le vampire c'est. Ah oui, non, mais en plus ça rajoute son attaque d'absorption de vie, sa résistance au renvoi des morts vivants, ou à l'énergie positive, je sais plus. Enfin bon, c'est des vampires, c'est. Sur du Pathfinder, c'est des brutes. Bien géré, c'est des brutes. Bah, c'est pour ça d'ailleurs, je sais pas si tu en as parlé, moi j'en ai parlé avec les. Le budget qu'on a. On a fait une partie en collab, on s'est en plus fait une partie en commun en tant que joueur avec un MJ Pathfinder, où bah le mec à un moment donné, on laisse tomber. C'est ce qu'on allait affronter au niveau 2. Vas-y. Un magicien vampire niveau 7. Ok. Ok. Oh normalement, si vous êtes niveau 2, il vous masterise la table. Oui. Un umbral ? Il vous quitte la table. Alors déjà, rien que magicien niveau 7, vous êtes niveau 2, qu'est-ce que tu veux que je te dise ça, c'est... Oui. Ouais, parce que magicien niveau 7, en fait, il est juste sort de zone. Alors, je prends quoi là ? Oui. Ah. Alors, non, il a même pas besoin de... C'est ça le pire, il a même pas besoin de sort de zone. Il se jette un ou deux sorts de protection, et après, il s'occupe des mecs les uns après les autres. Et limite, il s'en occupe au contact. Parce qu'il a de meilleure protection que eux non. Bah, je sais. c'est entre guillemets, il est plus tanky que le guerrier du groupe. Non, mais voilà, c'était quoi le truc aussi ? Ah oui, on avait commencé un bonjour où le mec il avait complètement craqué son slip, quoi. Genre, on avait enchaîné des combats alors qu'on est sur un niveau 6 ou 7. On avait enchaîné des combats contre des dragons adultes de différentes couleurs. Ouf. Déjà, tu vois les dragons adultes, hein, niveau 6 ou 7. Merci. Si, tu t'en fais un. Ouais, bah, on s'en est fait 4-5 d'affilée. Ouais, voilà. Et il nous dit, bon, bah, écoutez, vous allez avoir un repos, mais ce sera le seul. Hein. Et puis, bon, vous êtes à la moitié du premier étage, et encore 5 étages comme ça. Bah écoute, va te faire foutre un moment, c'est... Demi-tour ? C'est ça. Bah en même temps, oui, tu m'étonnes. Et dire, ah bah du coup, vous pouvez plus le faire. Bah du coup, si vous voulez le faire plus tard, le donjon, bah les mobs seront plus forts. Bah on le fait pas, alors. Des dragons adultes, en plus, c'était niveau 14, non ? Et tu sais quel était le mot... le... comment dire, le...
Qu'est-ce qu'il nous avait dit à la création des personnages? Il nous avait dit, faites pas des trucs trop forts, hein, parce que le but c'est pas que vous soyez des héros. Des héros. Et il vous fout des dragons adultes en face. Voilà. Pas un des dragons adultes. Bon, après, il vous les a pas foutus ensemble, au moins. Non, mais bon. Un dans chaque salle, quoi. Tu fais une salle, tu passes dans la suivante, t'as un autre dragon, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, sauf que normalement, un dragon, tu l'affrontes pas dans une salle. Sauf si t'as un dieu qui l'a mis dedans, mais à part ça, non. C'est pas... Y a pas beaucoup de bons souvenirs avec ça, je vais être sincère. Ouais, non, tu m'étonnes. Après, on peut préparer des trucs vaches aux joueurs en les prévenant. Moi, je sais que là, la campagne que je suis en train de préparer, je leur ai annoncé, ils commencent niveau 2. Toute la première zone, tout le premier chapitre, moi, je vais l'écrire, je vais placer les mobs. Et s'ils rencontrent les mobs et que ils n'ont pas le niveau pour les faire, moi, je les sauverai pas. C'est eux qui se démerdent, il faut qu'ils apprennent à fuir. En fait, j'explique. Sur une autre partie où on était un peu plus haut niveau, je crois que c'était quand on était niveau 10, 11. 10 ou 11, ça commence à faire mal. Oui. Et il nous avait sorti un mob, un boss. En gros, des... C'est comme pouvoir à l'infini, hein, ce que je te dis. Hein. C'est pas un truc une fois par jour. J'ai de vigueur des dés. 32 et sous peine de perdre 6 niveaux négatifs. De prendre 6 niveaux négatifs. Ah ouais! Voilà. Ok. Là, tu regardes ah, ton magicien, tu fais. T'as préparé téléportation de groupe. Donc, voilà. Sure. Non, c'est définitivement, c'est du infernal. Ouais. N'empêche que, mine de rien, plus vous avancez, ce qui me fait marrer, c'est que plus vous avancez vers le Flamelin, plus vous vous dites que ça chauffe. Bah, en fait, plus on avance sur, vers le Flamelin, plus je suis en train de me dire que... Morsan. Tu vas retourner au... Tu as pris une persuasion comme compétence. Tu as pris une persuasion comme maîtrise. Non. Tu vas prendre persuasion comme maîtrise. On a besoin d'un général d'armée, là. Tu vas prendre persuasion comme maîtrise. Alors, quel est le don me permet de faire ça? Il y a beaucoup de dons qui te permettent de prendre des... qui permettent de prendre des maîtrises dans les cas. Bah, si tu veux, elle me dira persuasion. Alors, non, à mon avis, il doit être meilleur que toi en persuasion, mais comment te dire, t'as moins la gueule de l'emploi pour ce qui est de faire général d'armée. Juste comme ça. Hein. Pour faire espion, pour faire l'intelligence entre guillemets dans l'ombre, t'as la gueule de l'emploi, sans problème. Mais pour faire le général d'armée, t'es un peu frêle. En fait, ce qu'il faudrait vous envoyer, c'est Garrok. Le demi-ogre. Non. Au moins, ça ferait général d'armée. Non, ça fait pas. Un demi-ogre, ça ne fait pas un général d'armée. Sauf si c'est un sorceleux. Et encore. Alors, par contre, ils ont fait énormément de. C'est dingue le dernier contenu qu'ils ont fait la dernière semaine. Et des archétypes où. Je trouvais les archétypes un peu de héros et dragons un peu. Pas forcément très rigolo ou très cool, mais les derniers là qu'ils ont fait ils sont super cool. Je sais pas si vous avez vu. J'en vois un tas et c'est tous ceux qui sont sortis, je crois, du bouquin. Mais c'est incroyable tout ce qu'ils ont sorti. Je vois qu'au niveau des prêtres, ils en ont rajouté deux. Faut que je regarde au niveau des magiciens. Est-ce que c'est le même parce qu'ils ont sorti mal de guerre, mais je suis pas sûr que ce soit le même que pour. Non, j'ai regardé les mages de guerre parce que ça me faisait rigoler, mais.
C'est quoi ça? Ah, t'es sérieux? Sens de feu en niveau 2. Mais c'est quoi ce délire? Après, c'est une fois entre deux cours. Non, mais je suis d'accord, mais pas moi. Vous pouvez étendre sa durée à un round complet par point de bonus de maîtrise. Ah oui, non, mais ça, c'est un délire, on est d'accord. Attends, est-ce que je transforme mon arpenteur en magie? Non, il est très bien en arpenteur. Moi, j'ai beaucoup 6 soutiens, mine de rien, au niveau 6. Tu ne crèves pas. L'attaque échoue. Ok. Oui. Ah oui. Mais oui, ça, je peux le faire sur plusieurs alliés, par contre. Oui. Une fois par allié, par repos court. C'est ça. C'est une classe qui fait chier les MJ, ça, par contre. Oui, mais attends, mais c'est vénère de ouf. Bah, ils aiment bien les magiciens sur point G. Égal à votre. Mais non, mais t'imagines le T. Bon, bah, je vais lancer trait de feu, action bonus. Bah, en fait, même au niveau 1, je touche 3 mecs. Ouais, mais c'est une seule fois en fait. Enfin, oui, après, tu peux le faire plusieurs fois, mais tu manges des plus. Non, attends, même une fois, c'est vénère. Oui. Même une fois, ça veut dire que dès le niveau 1, t'as un sort d'attaque de zone. En fait, non, c'est même pas un sort d'attaque de zone, c'est un sort d'attaque multi-cible. Et pour un tour de magie. C'est-à-dire un truc qui, en plus, évolue gratos avec les niveaux et ne demande pas d'emplacement de sort. C'est ton attaque de base, le tour de magie, pour un mago. C'est carrément vénère. Les dégâts des tours de magie sont loin d'être déconnants. Hein. Je suis d'accord. Mais bon, à côté, t'as l'artillerie lourde qui permet de littéralement doubler un sort juste en utilisant un emplacement de sort supérieur. C'est pas mal. Ouais, mais... c'est moins intéressant, en fait. Franchement, c'est moins intéressant, l'artillerie lourde. Doubler l'effet d'un sort de zone, c'est pas que pour des sorts offensifs, hein, c'est aussi pour être des sorts défensifs ou quoi que ce soit. Ça peut être pour des sorts... Attends. Après, je connais pas les sorts de magicien, donc je sais pas quel sort de zone non-offensif ils auraient. Mais même pour des sorts offensifs, je veux dire par exemple. Pour le contrôle. Ouais, ça, des murs de pierre. Je sais pas pour si c'est. Les murs de pierre devant et compagnie, tu peux voir. Je suis sûr que ce soit considéré comme un sort de zone. Mais à vérifier. Mais c'est vrai que ouais, pour des sorts de contrôle, ça peut être sympa. Donc au niveau. Je te dirais que au niveau tactique, c'est une classe que aucun MJ ne veut me laisser jouer. Je pense qu'il y a deux MJ qui sont d'accord. Tu m'étonnes. Alors, vous avez vu 2000 terrains. Oui, pour lui, c'est très très drôle. Voilà. Tu peux avoir sur l'évitation. Tu n'as pas besoin de concentration pour l'avoir. Enfin, si, tu as besoin de concentration, mais tu ne peux jamais briser. Donc, est-ce que, vu que ta concentration ne peut pas être brisée, est-ce que c'est-à-dire que si tu lances un autre sort de concentration, ça marche? Non, parce que tu gardes quand même ta concentration. D'accord. Par contre, au niveau 4, tu te sors pour l'évitation en vol. Oui. Là, ça devient drôle. J'aime beaucoup le sacrifice de ce moi. Tu penses à votre allié. Ouais, et surtout, c'est un bonus de 2 niveaux d'emplacement de sort pour augmenter la puissance de ce sort. Oui. En plus, vu que c'est niveau 14, c'est sort balèze. T'imagines la petite désintégration là? Non, parce que tu dois déjà le connaître en fait, le sort. C'est juste que par exemple, si tu lances une boule de feu, ta boule de feu, tu la lances comme un sort de niveau. Au niveau 14, tu as des emplacements niveau 14. Tu peux connaître des intégrations, c'est niveau 6, c'est des intégrations. Oui, mais les emplacements de sort bonus ne te servent pas. Pourquoi? Comment ça?
Et je crois pas que désintégration scale avec le niveau de l'histoire. Bah, non, pas forcément. Pas forcément, mais désintégration, c'est un effet justement. Pour chaque niveau au-dessus du truc de l'intégration, ça fait 3d6 en plus. Ah oui, d'accord, non, mais. C'est... Je ne savais pas que je croyais que désintégration c'était un effet fixe, en fait, il n'y avait pas d'effet bonus. En cas de niveau supérieur. Si. Bah oui, dans ce cas-là, oui. D'ailleurs, son effet en cas de niveau bonus, c'est très intéressant d'ailleurs, c'est 3d6 par niveau en plus. Ouais, bah oui, désintégration niveau 9, coucou. Bonjour, cadeau. Bon, après, faut donc la 0 par pied. Techniquement, tu as des décompressions niveau 9. Du coup, tu peux faire des trucs de pute. Attends, parce que c'est lorsque tu. Ah non, parce que tu dois prendre un repos long. Parce que sinon, tu me dis des trucs à l'infini en mode. Genre, un allié te fait tomber 0 points de vie, genre le guerrier te tape pour faire tomber 0 points de vie, tu meurs, tu lances ton sort. Le prêtre te ressuscite, le guerrier te tape, tu meurs, tu vois, ça se fait gâter, c'est ça. Prêtre a même pas besoin de citer, il a juste besoin de te soigner quand t'as 0 points de vie. Après, ça a fait ça, les nouvelles règles de blessure de Pangé. Oui. Avec ces blessures qui sont plus indifférentes. Ouais. Alors, je sais pas si t'as vu, ils ont ajouté. Après, c'est nouveau pour Barbara, ok, mais en dessous, ils ont fait le rôdeur révisé. Ouais, mais ça c'est pas officiel. Oui, non, mais ça, c'est communautaire. Mais ouais. Je trouve très intéressant. Je pense qu'ils ont fait. Ah oui, c'est, ils ont juste. Un des gros changements, c'est qu'ils ont enlevé la barre du chasseur. Et ah, là, la voix des glaces. La voix des glaces, c'est l'archétype du barbare. C'est ce qu'a. C'est l'archétype de Nel là sur Royal Play. Je me dis aussi, mais d'où c'est quoi ce truc de barbare de Dégan 3 en plus ça. De. Pas de la naine, mais de l'humaine là qui fait barbare. Alors, moi, avec les paladins, je pense pas que cet archétype là, je pourrais jamais le prendre. Ce serment là, je pourrais jamais me mettre dans cette compagnie. De quoi? Le serment d'aliénation. Ouais. Le serment d'aliénation, c'est pas la peine. Oui. En gros, c'est serment vers une arme magique, quoi. C'est le serment vers Nocturno. Genre on ne sait jamais, tu peux croiser une arme magique dans peu de temps. Une arme magique intelligente. Dans les canalisations d'énergie divine, fusion. Fusion et fort. C'est moi aussi de la merde. Non, parce que ça peut te permettre de cacher ton arme en fait. Ouais, bah, mine de rien, avoir ton arme avec toi tout le temps. Et surtout, tu peux la dégainer en une réaction. Ça c'est fort. Parce que ça veut dire que t'es pris par surprise. C'est-à-dire que, par exemple, c'est con, mais en admettant que tu sois pris au dépourvu dans un combat, c'est-à-dire que tu vas venir le combat et t'as pas le temps de te préparer correctement, ça me demande une action de préparer, parce que c'est je vais m'oublier et je dégaine. Quand je peux faire manipuler un objet en action qu'une seule fois, j'ai besoin de mon action pour faire le même truc. Après, j'ai un autre exemple à la con, tu peux te retrouver prisonnier sur un bateau. Le fait d'avoir ton arme qui est fusionnée avec toi, c'est pratique. Ça évite que ton clerc de compagnie soit obligé de tout se taper le temps que tu retrouves ton matos. Non, par contre, le deuxième est complètement pété. Et l'immortel. Oui. Pendant une minute, t'as l'avantage à toutes les attaques contre cette créature. Et tu peux attaquer quelqu'un d'autre pendant ce temps-là. C'est-à-dire que tu peux littéralement mettre ça sur le boss, et si jamais un des minions du boss vient te faire chier, tu peux le pulvériser d'un coup, et continuer de taper sur le boss après. Donc, Ouais, je vois, ça ressemble beaucoup au serment de vengeance de DD5. Ouais. Pire l'un de l'autre, il y a des chances. Honnêtement, c'est vrai que c'est un pouvoir ultra puissant. Est-ce qu'ils ont fait un cercle de druides fait pour le boss? Le frappe galvanisé, je ne le trouve pas ouf en fait, au moment où tu le débloques, mais à très haut niveau, il doit être très mort. Qu'est-ce qu'il y a comme un truc de druide? Il y a un cercle. Parce que, en fait, c'est ça, l'avantage, c'est que ça te donne des dégâts sûrs en fait. Supplémentaires. C'est littéralement un plus X à ton attaque.
il commence à suivre les femmes qui se promènent seules dans les rues pour ensuite les épier directement chez elles. Enfin bon. Bon, du coup, je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. On se dit à la semaine prochaine. Enfin, je vais vous laisser. La semaine prochaine, et puis bonne nuit à vous. Et du coup, je sais pas si vous aviez vu qu'on était en live. Parce que il y avait une vidéo qui est apparue. Mais... Et du coup. Du coup, on a été suivi par deux personnes, dont Cécile. Voilà, pour ceux qui connaissent. Alors, je sais pas si elle a suivi du début jusqu'à la fin, mais elle était là. Cécile. Qu'on salue d'ailleurs, et qui fait beaucoup de Pathfinder sur sa chaîne, qui fait beaucoup de jeux de rôle, hein. De toute façon, elle en fait énormément, mais en ce moment elle fait beaucoup de Pathfinder. Non, mais Pathfinder c'est pas un bon jeu de rôle, il y a trop de choses à faire avec. Alors oui, et là en ce moment elle se fait du on en parlait en plus hier avec Aryu. Elle se fait du Pathfinder 2 en mode western. Tu sais, oui, western. Oui, d'accord. C'était le projet de Feeling, je crois. Claude, je te dis à demain soir. Oui, à demain soir pour Dark Heresy. Et les autres, RU à lundi. Non, pas lundi, si j'ai bien compris. Non, pas lundi, à jeudi. À jeudi, sauf si on se voit dans l'entre entre deux. Et Morsan avant. À vendredi. Ciao, bonne nuit tout le monde. À vendredi tout le monde. Bye bye. Et du coup pour le live, alors je sais pas si vous êtes encore là. Et je ne sais pas ce que j'ai. Si vous êtes encore là. J'ai envie de vous amener. Essayer de s'infiltrer dans cette fête ou alors de dérober au plus tard.
trouve un temple. On le détourne et on fonce dans le quartier. C'est quoi ce plan foireux ? Ce n'est pas un plan foireux, c'est un plan de guerrier. C'est un plan foireux, c'est bien ce que je dis. Non, c'est un plan de guerrier. Sinon, c'est pas comme ça que ça marche.